Voilà, je pense que ce coup-ci ça fonctionne. Hein, c'est mieux que, que samedi dernier. Je crois, on verra. On ne sait jamais. Est-ce hein. que ça s'est joué un peu encore Mais <laughs> disons rien, ça marche. Alors bonsoir à tous, c'est super, nous sommes mercredi. Que les jours passent et filent à une vitesse incroyable. Alors on va un petit peu parler ce soir. J'espère tranquillement, beaucoup plus détendu. Voilà, je voulais remercier euh, toujours un petit coucou à, à Cyril qui, qui m'avait fait la, le générique. Hein. Cyril, euh, alias Lighton, qui est souvent euh, là dans le chat. Vous avez toujours euh, le lien qui est en dessous, le descriptif, pour aller faire un petit tour à sa chaîne. C'est un créatif, c'est un artiste, comme beaucoup d'autres, comme Lynn, comme Alex. Comme, euh, ah ben, la marjorie c'est autre chose, mais, etc., etc. Donc vous regardez en dessous, il y a des liens un peu pour tout le monde, y compris pour ceux qui savent toujours pas le lien pour l'autre chaîne. Hein, comme ça vous pouvez croiser. Euh, le, et certains me posaient la question Pourquoi tu as fait deux chaînes Ben je veux dire, des fois on se dit il faut pas mettre ses yeux dans le même panier puisque j'ai cru que celle-là était un petit peu bloquée, ce qui est le cas, mais l'autre aussi. <laughs> Donc c'est pas grave. Disons que si l'une est fermée, avec un peu de chance, l'autre marchera. <laughs> Bref. Bonsoir à tous. J'espère que tout va bien. Je vais regarder vos retours pour voir si c'est propre, si c'est OK. Voilà. Je regarde un petit peu. Et euh, images et, et son. Voilà. C'est un petit peu sombré, mais bon, c'est parce que j'ai le gros décor derrière. Il est gros, celui-là. Bref. Alors on va y aller tranquillement avant que j'attends votre retour et puis je vous fais un petit coucou. Voilà, coucou Cyril, je vois. Ouais. Voilà, donc ça marche. ah ouais, il est bloqué lui. Voilà, 8 sur 8, c'est bien. Ça c'est l'INSEE, ça. Je la reconnais. Coucou L'INSEE, ça va bien Coucou Lynn. En dessous, guerre plus loin. Angélique, Jean-Louis, Juliette, Christine, coucou, Nathalie. Coucou Annie. Gros bisous. Lise. Ça va Lise Bernard Pailleux, ce coup-ci. il est là, notre cher Cyril, euh, si, euh, si artiste et si euh, généreux comme Lindsay d'ailleurs, c'est pareil. Hein. J'ai toujours, j'adore ce côté artistique. Il y a tellement d'artistes. Il y a beaucoup de créatifs dans ce monde. Il y, a, il y aurait tant de choses à faire. Tellement pourtant. Hein. Coucou Amielissa, Petit, je parle en vert aujourd'hui. Hein. Marc, René, Diana, j'espère que tout va bien. Irène, Bernard toujours, euh, je regarde Auré, euh, Nathalie, Florence, Christine, Corélie, Karine. Oula, j'arrive pas à le prononcer, Olima, Malayada. Non, mais je sais pas, où est le prénom, où est le nom Voilà, vous, vous reconnaîtrez. Gros bisous. Hein. Donc toujours Annie. Coucou Samira, la forme un bisou à Gaïana, si elle est là, à l'occasion, Barbara, Nathalie, Sophia, Condorenka, euh, ça commence fort, j'ai pris euh, quelque chose, c'est vrai que comme dirait certains, déjà Michel il a fumé la moquette, donc euh, Zeibou, alors la fée, la fée Flavia, euh, Gigi, Riku, salut, Florence, à Gala, Gégé, toujours là. Je vois les habitués, c'est fou, hein, ça fait des années. Hein. Je sais que beaucoup, euh, certains d'entre vous, ne font que venir hein, par petits, pa petits passages. Mais c'est vrai que je reconnais vraiment beaucoup d'entre vous qui sont là depuis... Euh... Vous vous rendez compte ben Regardez, depuis si longtemps, c'est pas possible. vous n'êtes pas lassé à force. <laughs> certains, je sais que voilà, ils viennent, ils repartent, ils changent, besoin d'ancrage, c'est certain, je fais un petit peu... Un petit coucou à Stéphane. Euh, je t'ai bien lu, il n'y a pas de souci. Euh, coucou. Alors, je ne sais pas s'il si, regardera. Mathilde, salut. Catherine, Patachon, Gaët Jean-Louis, Macronier, je crois. Irène, Brigitte, Nathalie, Angélique, donc déjà vu, déjà vu. Rico, Thierry. Brice, salut. Brice Durand aussi, un ancien. Hein? Hein? Il y a beaucoup d'anciens, là. Mais certains, je sais qu'ils sont toujours là, plus ou moins, mais. Voilà, euh, Annie, tout ça, Corélie, Titi, Sébastien, Denis Parent, euh, Giovanni, toujours Angélique, Jojo, oh oh. salut, salut, Dora La Silva, Bernard Pailleux, je le vois toujours, je sais que j'ai vu l'autre Bernard, qui se fait plus discret maintenant, un coucou à, à Bernard, euh, un ami... Un ami, et en plus d'une grande gentillesse. Alors, Frédéric, Cyril, Corel. Je fais un petit truc. Hein. La girafe de l'espace, alias Stéphanie. La... Est toujours en rébellion, se prend plein de coups, mais elle retourne au combat. C'est une, une amazone, elle aussi. Irène, Bruno. Alors, je regarde. Lanine c'est toujours là, Nathalie déjà vu, Sébastien, Marie Pilote, et non pas Marie Papillotte. Je prends le temps un peu. Cyril de Bretagne, salut, merveilleuse. Alors, je regarde un petit peu, je remonte à la mayonnaise. Solume, Pierre, Jean-Louis, déjà vu, Brigitte, je crois, Coucou, Alex, euh, Yann, Sophia, Lali, Thierry. Voilà, je regarde un petit peu c'est qu'il y en a. Hein. Frédéric Patachon Alchimie et je sais que ce n'est qu'une infime partie, une infime partie, puisque très peu d'entre vous ne participent au chat, du coup ils attendent impatiemment. Coco Michel et à vous tous, le titre me plaît bien. Ouais, ouais. C'est pour ceux qui connaissent évidemment, parce que je sais que certains ils savent pas de quoi je parle. Giovanni Gabriel, voilà, coco. je regarde, je regarde, je tourne, voilà. Oui, ouais, c'est les mêmes là, je crois. Ah, coucou Marc, ça va bien Salut l'ami. Un peu à la bourre en ce moment. <coughs> Comment va la nouvel appartement Nouvelle maison. Ouais. Nouvel appartement. Brigitte. Annie Courtin. Coucou Annie. Un gros bisous. Voilà. Samira, je vois, Titi, tout Lindsay, Auré. Voilà, c'est bon. Je crois que... Si j'en oublie, un gros bisou à ceux que j'oublie. Nicole, voilà, Tania. Voilà, j'en vois encore. Vénus, Vénus, Serge. Voilà, il y en a pas mal. Ok, ouais, je crois que j'ai vu tout à l'heure. Hein, ouais, c'est tout à l'heure que j'ai vu Bernard, notre ami Bernard, l'autre, parce que vous êtes deux. Voilà, on refait le tour. J'attends un petit peu. Voilà, euh, ben, ce soir, on va tranquillement parler. Euh, alors, euh, quand j'arrive à dormir... Je plaisante, ouais. pas beaucoup, hein. je, je, je fais un peu d'humour, hein. parce que je, je dors par petits bouts en ce moment. Puis en plus, j'ai une pépette, un petit peu une pépette de temps en temps. Que c est, c est, ça change la vie, ça c'est clair. Et, euh, et donc, j'ai un petit créneau, souvent, aux alentours de 5-6 heures du matin. Je fais une, ma, une petite plongée, moi j'appelle ça une plongée. Hein. Euh, en rapport à ce que je vivais il y a, quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, je ne je sais pas, je vous l'ai raconté, mais quand j'étais plus jeune, je ne maîtrisais pas du tout mon, ma façon de, de sortir. Je ne savais pas que j'étais sorti. J'étais plus dans la peur, en enfin, fait. Euh, comme je l'ai déjà dit, j'avais la sensation de tomber à travers le, le matelas. Je, je m'enfonçais et je tombais à travers le matelas. Et, et en fait, je me décorporais, mais je ne le savais pas. D'autres fois, je me baladais dans... Euh, dans la maison sans même me rendre compte que c'est j'étais pas dans mon corps euh, physique et mais on voit pas des fois on voit pas bien la différence bref voilà c'est pour ça que je, souvent je reprends cette, cette expression <laughs> la plongée alors c'est très très rapide en hein, ce qui me concerne quand ça arrive des fois je suis pas encore en, endormi hein, c'est donc euh, c'est c'est pas forcément l'endormissement qui provoque la plongée. On n'est pas obligé de passer par le, le rêve, l'hypnagogie, un état de transe, etc. Euh, moi, je, je suis dans un état relaxé et pouf, ça y est, c'est passé, etc. Euh, donc, on va revenir un petit peu à un sujet qui euh, qui s'était un petit peu éloigné de moi puisque la mission était accomplie quelque part. Euh, je remémore un petit peu légèrement. Je vais essayer de faire court, c'est un petit peu dur pour moi. Il y a quelques années de ça, j'ai été un petit peu formé, instruit, on va dire ça, à la dure, à coup de matraque, j'allais dire, à la dure, pour me permettre, me réapprendre à, à sortir ou à, à emprunter un autre corps que le corps astral, sans. Parce que parfois, souvent, je ne sais pas comment le dire autrement, mais, on n'a pas d'autre choix que d'expérimenter ses propres limites pour enfin comprendre et c'est étonnant parce que euh, au dernier moment où vous avez l'impression que ça lâche et c'est là que d'un coup euh, vous vous accrochez à quelque chose d'autre intuitivement instinctivement vous le faites et d'un coup il dit oui oui c'est évident quoi hein, certain mais comment tu, fais, comment tu fais pour lever ton bras comment tu fais pour pour tourner la tête quand tu fais pour lever la jambe pour marcher c'est un prodige c'est incroyable ah non mais c'est mon corps Il, tu fais comment euh, euh, bah, j'ai appris je, sais pas, je le fais Et voilà Et c'est pareil c'est vraiment quelque chose qui en fait naturel mais qui a été qui est oublié à un certain niveau de conscience oublié puisqu'on est euh, cantonné euh, imprimé j'allais dire martelé euh, à la 3D biberonné, pour reprendre des termes d'actualité en ce qui me concerne, biberonné à la 3D et du coup la rationalité, quand le veuille ou non, à la, vie dure. à la vie dure, donc on croit sans croire, etc. C'est comme ça, je veux savoir, je veux maîtriser avec le mental et l'ego, je veux contrôler. Et c'est là où on se rend compte que tout ça, c'est une illusion totale, il n'y a pas de contrôle, on, on sait le faire, mais... Euh, où on apprend à lâcher petit à petit, parfois c'est progressif, puis d'un coup, bon, à un moment donné, il y a un, un saut dans le vide quelque part, hein. et puis c'est évident. Euh, certains s'arrêtent là, ils s'amusent, ils virevoltent, ils s'arrêtent là, à la sortie astrale, euh, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin, même dans l'astral, hein. on peut aller beaucoup plus loin. Alors, je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc j'ai fait une petite plongée euh, euh, hier et aujourd'hui. Euh, la première était un petit peu euh, difficile pour moi parce que le, le retour a été difficile parce que j'étais un petit peu désynchronisé, euh, pas bien. Il a fallu que je que je me mette dans un coin pour me recentrer comme si j'étais pas bien euh, en place. C'était très désagréable. Là, ce euh, ce matin, c'était plus intéressant puisque j'ai pu euh, j'ai pu enfin euh, avoir une vraie non, je suis vache en disant ça. c'est pas une vraie conversation, c'est pas vrai. On peut pas plus une conversation. Mais en tout cas, euh, une vraie, un vrai rapport. Bon, je sais pas comment on pourrait dire ça, puisque il m'a fallu du temps pour les reconnaître, parce que euh, ils, ils empruntent toutes les apparences qu'ils veulent. De toute façon, vous faites ce que vous voulez. Euh, à un certain niveau, vous pourrez changer d'apparence, vous apparaître plus vieux, plus jeune avec d'autres traits. Il n'y a pas de souci, surtout qu'eux, ils ne sont que esprit pratiquement, ils sont que conscience pure et ils n'ont pas de corps, même si au début, j'étais persuadé qu'ils en avaient. Donc juste le petit résumé, c'est j'avais été contacté entre guillemets par l'un d'eux pendant un certain temps, mais je savais pas qui c'était, qui voulait m'aider. C'était des discussions creuses au départ, des banalités. Euh, mais en fait, derrière les banalités, je l'ai compris par la suite. Imaginez un être qui peut voir ce que vous êtes. Il s'approche de vous. Imaginez, dans le réel, quelqu'un s'approche de vous. Il, il pourrait vous demander du feu, euh, discuter. Oh, putain, il fait frais cette année. Oh, il a beaucoup plu, etc. Et à travers ces banalités, il vous sonde. Il est capable, cet être, de vous sonder, de voir. Euh, ce qu'il intéresse de voir dans votre psyché, dans votre. Il vous sonde. Et, et ça se ressent. Ça se ressent. A... Ce n'est pas forcément désagréable, c'est juste que ça se sent. On, on perçoit le fait d'être sondé. C'est une sensation particulière. Alors, ils ne vont pas toujours très profond, hein, mais, mais en tout cas suffisamment pour qu'ils puissent savoir dans quel état d'esprit vous êtes, euh, à quel niveau d'évolution, de conscience. Euh, euh, qui est derrière le masque, hein? euh, etc., etc. Voilà, j'avais été approché et euh, et puis jusqu'au moment où j'en ai eu deux. Alors euh, parce qu'il y ils prenaient l'apparence et les premiers temps, j'avais l'impression qu'ils étaient humains ou presque humains, en tout cas. Enfin, ça, ils apparaissaient comme ça pour moi. Et jusqu'au moment où ils, a, ils sont apparus tous les six, pour moi, ils s'y sont mis à six. <laughs> À deux, ça suffisait pas visiblement, et jusqu'à qu'il me fasse une épreuve ultime, dire que je devais apprendre à à maîtriser. Alors, je sais plus, ils ont un terme, les mots, et je n'arrive jamais à les ramener. Dans. Je devais maîtriser cet état, cet état de conscience, et euh, je dis, je pense, euh, j'avais l'impression que je maîtrisais, mais bon, visiblement non. Et, euh, et du coup. Euh, jusqu'au moment où je progressais très très mal parce que l'ancrage la programmation vous savez ce fameux mot ancrage ici à la terre hein, l'ancrage c'est terrible je dis, il y a une différence entre l'ancrage et être fabriqué conçu et connecté à ce monde bien sûr mais ancré c'est une, une autre connotation ancré c'est enraciné c'est ok tu t'en nourris mais à quel niveau tu es enraciné De quelle façon Est-ce que je suis prisonnier euh, comme un arbre Parce qu'une racine, c'est ça, quelque part, dans l'imaginaire. Donc le but est de rester mobile, de, de garder le contrôle relatif, en tout cas d'avoir une certaine forme d'autonomie, hein, de projection. Alors que l'enracinement, c'est euh, être piégé. Quoi. Je suis désolé, hein, c'est OK, tu vas être nourri, mais tu vas dans le sens que l'on te dicte. Bref, je vais pas trop épiloguer là-dessus, on va continuer parce qu'il y a beaucoup à dire déjà. Alors, euh, sur le principe, donc je me suis retrouvé avec 6 et jusqu'au moment où j'avais des, des états de conscience, des exercices. Etc. Alors je, je m'amusais un petit peu, au début je le prends à contre-pied, puis je voyais qu'il prenait les choses très au sérieux. Et euh, surtout que pour moi... C depuis des décennies de pratique, je... tranquillou, c'était facile pour moi. Et à un moment donné, je les voyais une, une fois en pleine. Ah, je venais d'arriver, ils arrivent, ils se regardent, et puis ils disparaissent. Ils disparaissent, et, et c'est là où j'ai subi, subi ma première. J'allais dire mon premier lâcher-prise, mon test ultime. Et c'est là que. Et, je, et je, je sentais cet appel, voir cette attirance, dire euh, ⁇ Rejoins-nous !⁇ euh, Ouais, où euh, Je vous perçois pas, je vous ressens pas, vous êtes où Jusqu'au moment où je, je perçois plus ou moins, comme dans un entrebâillement je les perçois, mais plus comme des silhouettes, sans voir véritablement leur apparence. C'est étrange, c'est sombre, c'est particulier. Et le simple fait d'avancer vers eux, je me suis écroulé. Je suis tombé direct à genoux, puis en rampant. J'avais l'impression que d'un coup j'étais en train de m'asphyxier ou qu'on m'avait débranché la prise. Euh, là, ça a été la première très très difficile épreuve. Et du coup, je me suis réveillé en sueur dans mon corps, très péniblement. Euh, et il m'a fallu une bonne semaine pratiquement pour récupérer. Je m'étais vidé littéralement. C'est d'ailleurs un. À cause de ça que j'ai développé de façon beaucoup plus puissante mon cœur solaire pour avoir beaucoup plus de re... parce que je me disais à l'époque ça peut toujours être utile d'avoir des ressources énergétiques qui seraient beaucoup plus importantes qui me permettraient imaginez l'analogie la, que je vais vous donner euh, c'est comme si vous pouvez euh, plonger en... sous l'eau en apnée vous pouvez y aller jusqu'à 50 mètres tranquille en apnée vous y aller hein 50 mètres en apnée bon, euh... Mais vous pourriez tenir, je sais pas, 30 minutes, hein, comme un cétacé ou un dauphin, 30 minutes sous l'eau à 50 mètres, voilà tranquille. Voilà. Mais tu as des capacités pulmonaires, hein, mais c'est pas seulement l'oxygène, c'est... C'est l'oxygène, qu'est-ce qui est véhiculé dans l'oxygène C'est certains nutriments, certaines particules, euh, etc. Euh, il faut que le cerveau soit alimenté, il ne faut pas qu'il y ait la pression atmosphérique, la pression de l'eau par contre, c'est complexe, parce qu'on a tous ces paramètres en nous qui nous limitent, on, on y croit, donc ça c'est validé, puisqu'on y croit, donc c'est réel pour nous. Et, euh, et là, donc, euh, on devient un véritable dauphin, etc. C'est comme si on augmentait considérablement ses ressources. Bref, il euh, s'est passé un certain temps. Rebelote. Et là, euh, j'y vais, en, etc. Une deuxième fois, une troisième fois, et j'y arrive pas. J'y arrive pas parce qu'à chaque fois que j'avance, j'ai l'impression d'aller un peu plus loin grâce à mes astuces, mes trucs j'apprends, je, je me renforce je, je prends des ressources énergétiques colossales mais euh, j'arrive jamais jusqu'à eux et j'ai quoi à parcourir Quelques mètres quelques mètres pour arriver jusqu'à eux dis dit j'y arrive pas et puis euh, et puis à un moment donné le ton se durcit et euh, moi j'ai pas envie d'y aller carrément, je dis ben ils sont pas j'ai pas envie de souffrir et de me vider à chaque fois je vois pas l'intérêt et euh, le ton se raffermit, dire c'est ça ou, euh, entre guillemets, euh, tu seras prisonnier toute ta vie, quoi. toute l'éternité. Ça ne te suffit pas, 5000 siècles d'emprisonnement C'est là que je tilte. 5000 siècles de quoi J'ai dit, j'ai des souvenirs, des vagues trucs, mais je ne me souviens pas de tous les détails, etc. Et là, euh, j'ai dit, je vais retenter, ça sera la dernière. Et je paie, j'avance, la rebelote, je me réécroule comme un pauvre con. Je dis, mais ce n'est pas vrai, j'arrive à voler, je me téléporte, je fais ce que je veux dans l'astral. Et là, je ne comprends pas, j'ai l'impression de mourir. Comme si on me, on me vidait ma force vitale, j'ai l'impression de mourir. Mon corps me lâche, me trahit. Et, et puis, alors que quelque part, intuitivement, instinctivement, j'ai je, je, une forte envie de remonter à la surface, pour reprendre l'analogie de l'eau, ou de revenir dans l'astral. Là, on me coupe de l'accès la, de arrière. Je ne peux plus y retourner. Je dis bon, euh, je fais quoi là Je crève Je fais quoi J'ai dit mais et quelque part toutes les idées, euh, les pensées me traversent l'esprit. Je vais mourir ici. Euh, mais pourquoi ils font ça euh, Etc. Etc. Euh, etc. Et c'est vrai que c'est dur parce que et je dis mais si vous voulez m'abattre, pourquoi ils l'ont pas fait euh, Ils étaient six, en l'air puissant. Euh, peut-être le, toutes les idées les plus folles. Jusqu'au moment où je vais quelque part euh, comme euh, m'écrouler, j'arrive jusqu'à leur toucher les pieds. à L'un d'eux, je touche les pieds d'un. Euh, et, et là, je m'écroule, je vais lâcher. Et puis d'un coup, il euh, y en a un, des, un des, qui, des deux qui sont devant. Il dit, et alors, tu fais quoi maintenant Et là, d'un coup... C'est comme une grande inspiration et je peux respirer sous l'eau. Bonjour, je continue l'analogie. Et d'un coup. Je dis Ah, mais euh, euh, ah bon C'est bizarre, quoi. Et puis d'un coup, je me relève, je sens que mes forces me reviennent, etc. C'est assez étrange. Pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé en moi, etc. Et j'avais changé de corps. Je ne le savais pas. C'est quelque chose que, on... selon les strates et les états, c'est comme si vous n'étiez pas au bon endroit avec le bon corps. Et en fait, vous l'avez, vous êtes équipé de. Euh, euh, mais euh, c'est comme si quelque part euh, vous partiez sans le bon costume. C'est évident pourtant, mais là, euh, ni j'en avais la perception ni la conscience. Et là, du coup, intuitivement, et là, du coup, je, je suis resté un bon moment. Il n'y a pas eu de vraie discussion parce qu'il ne parle pas vraiment. C'est plus des, des échanges d'intentions et d'idées. Je ne sais pas comment ça fonctionne, ce mode de communication. Je savais, je comprenais ce qu'il me disait. Sans... Il ne prononçait pas de mots. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'échanges. Mais c'est comme ça que je le comprends. Et alors, alors, oui, oui, c'est moi qui traduis. Et voilà, donc ça a été vraiment mes rencontres assez fortes avec... Par la suite, j'ai été initié à aller dans certains endroits on m'a montré les, les limites de mon propre esprit euh, et je ne comprenais pas parce que je ne voyais pas ce qu'ils voyaient. Et c'est là que j'ai compris que j'étais bridé au niveau de mes perceptions et parce que eux, ils arrivaient à faire des choses et moi, je ne comprenais pas parce que je ne percevais rien. Et c'est là que j'ai compris que j'étais bridé. Et, et petit à petit, j'ai brisé un petit peu ma coquille, pas à pas. Et puis, à un certain temps, quand je commençais à comprendre le concept et vraiment euh, le faire, parce que c'était intéressant. Ils m'ont lâché, ils m'ont dit maintenant, tu dois continuer seul, on se reverra de temps en temps, etc. Et puis à la suite, ces six, je les ai croisés, mais je les voyais pas. Je sais qu'ils ont euh, instruit d'autres personnes, je sais qu'ils ont rencontré toutes sortes d'entités, ils sont dans le réseau, ils ont créé une sorte d'entité particulière. Lorsqu'ils s'unissent tous les six, ils créent une sorte de... un autre... Um, sorte de, ils appellent ça un cortex à six, ou un, ça fait six, ça fait un septième. Et, euh, et ils créent une sorte d'entité, et ça crée euh, parfois l'équilibre, ils, ils rétablissent l'équilibre dans le réseau de conscience, dans le réseau dans lequel on évolue tous, en fait, sans même en avoir conscience. Alors, évidemment, lorsque j'ai commencé à exprimer tout ça, beaucoup de gens se sont un petit peu levés en faux. Ils disaient, mais Michel, tu as été manipulé par ces êtres. Ils ne sont pas du bon côté de la barrière. Je dis, ben, pourquoi dans ce cas-là, ils ne il, il me, m'endoctrinent pas Pourquoi Parce que moi, après, j'étais complètement autonome. Hein. Alors, c'est pour ça que j'étais assez intrigué. Et, jusqu et en fait, c'est jusqu'à ce que je comprenne que ces six sont des, j'allais dire des anciens, par contre, qui euh, ont décidé de, ch de changer de cap. Il n'y a pas que, hein, il y en a encore beaucoup d'autres. Pas dans le réseau de sous cette forme-là, euh, puisqu'il y en a d'autres qui ont évolué, euh, d'autres qui sont partis du, de leur, j'allais dire, de leur collectif, etc. Et eux, ils ont décidé parce que quelque part, euh, certes, beaucoup d'entre eux ont compris que euh, le choix d'évolution qu'ils ont choisi il y a longtemps euh, même si c'est important pour eux c'est une impasse c'était ils le sentent donc ils, mais comme vous le constatez dans notre société c'est magnifique c'est bien représenté bien représenté cet état d'esprit <coughs> euh, certains s'entêtent quand même ils pensent que à la, à la la cinquantième, centième, millième tentative, ils trouveront le chemin à travers l'esprit, la conscience. Ils arriveront à maîtriser le flux, etc. Alors qu'ils n'y arrivent jamais, alors qu'ils ont une évolution incroyable, hein, ils n'y arrivent jamais. Et donc, ils s'entêtent. Hein. C'est un petit peu comme nos gouvernants qui font le contraire de ce qu'il faut faire. Voilà, c est... Mais non, on s'entête. Non, c'est ça le vrai. et Voilà. On pas... Non, toi mauvais, toi pas bien, euh, tu dois faire comme on te dit. Mais c'est pas bien. Non, c'est la vérité. Voilà, c'est la folie. Euh, je ne sais pas comment on peut dire ça autrement. Hein, c et donc, voilà, c'est pour ça que certains me disaient il euh, ne faut pas faire confiance, etc., des entités tierces, etc. Je dis ben, on a des, quand même. Hum, oui, il y a énormément de manipulation, énormément. L'astral en est café, mais, euh, mais il y a aussi. Euh, il y a de tout, c'est de la dualité, c'est de la polarisation, il y a des gens avec qui on, a, on sympathise, il y a des entités dans lesquelles je me suis retrouvé, c'était fascinant, euh, évidemment, mais il est vrai aussi qu'il y a des fois des intérêts cachés, certains m'ont contacté mais il y avait un intérêt caché derrière, je l'ai vite ressenti, c'est pas forcément mauvais, c'est rationnel. Vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas, donc ils voudraient vous utiliser. Ils vous donnent un peu, ils vous prennent beaucoup. Voilà, c'est le principe. Donc ça, c'est l'astral. Ça, c'est un petit peu. L'astral n'est pas que négatif, jamais de la vie. Il y a les deux. Hein, c'est un petit peu. C'est le problème, c'est que hum, il faut apprendre à s'y déplacer et surtout, petit à petit, à, à faire comme eux. Ces gens évoluer, ces êtres, comme il y en a quelques-uns à être capable de percevoir chez l'autre l'authenticité la, de la démarche, la sincérité, ce qui n'est pas évident. Alors parfois, il y a de la sincérité et de l'erreur, mais on le voit aussi. Donc non, tu persévères dans l'erreur, là, c'est une, une erreur de trajectoire, tu t'en apercevras, c'est une impasse. Et certains, bon, ils, ils gagnent jusqu'au moment où ils se trompent, ils recommencent. Et, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est très complexe, mais en tout cas, on, on perçoit... À un moment donné, on ne peut pas vous mentir. Alors, il y a des gens qui sont sincères dans l'erreur, mais globalement, ceux qui manipulent, on finit par les voir, le ressentir. Même les puissants, même les êtres qui sont là sous une forme très puissante, etc. On, on voit leur sincérité, on voit, le, on sent leur mépris aussi. On voit toutes sortes de choses. Mais euh, pour les choses plus fines, ça, ils savent le cacher, ils savent l'occulter. Mais en tout cas, de surface, qu'on le veuille ou non, chaque entité rayonne ce qu'il est. Tu peux mentir, le camoufler, le cacher, le mensonge, l'information, tu peux cacher. Mais ce que tu rayonnes, ça se sent et ça se voit. Euh, C'est à un certain niveau d'évolution, on, on voit qui est sincère, qui est vrai, qui est authentique. Il y en a, il y en a pas mal d'ailleurs. Quand j'avais les, les retours de certaines personnes qui me disaient « il faut faire attention à l'astral », oui, c'est vrai, mais globalement, euh, malgré les quelques expériences négatives que j'ai vécues, euh, à 90% c'est génial. Voilà. Donc, il y a... Après, voilà, il faut apprendre à, à maîtriser certains, et parfois il faut, il faut casser la limite, il faut la briser. C'est une sorte de mur de verre. Euh, J'en parlais des fois dans les vidéos il y a quelques années de ça. Je parlais du plafond de verre. Euh, et euh, et l'illusion que je ne progresse pas. Ça vous parle, ça. Hein? Et, et du coup, je. Alors que il m'a fallu un temps pour comprendre que j'étais déjà passé. Mais j'avais toujours l'illusion que j'étais toujours en dessous. C'était assez étrange. Je dis mais je suis déjà passé. Voilà, maintenant j'ai un petit peu résumé. Donc là, actuellement, accrochez-vous, il y, y a une véritable guerre qui se livre sur la partie sombre de la Lune, actuellement. Et les six y participent d'une façon indirecte, parce qu'ils ne sont pas physiquement là. Et euh, donc sur la Lune, il se passe des trucs. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, je, je m'étais amusé à parler de, de ce petit projection astrale. C'est une projection particulière. C'était euh, une sorte de Lune déphasée. Et euh, j'avais vu que sur la Lune, il y a énormément de bases, de, 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 de structures, des structures sombres, des structures grandes, gigantesques même. Et euh, on m'a montré des endroits que je pouvais visiter. C'était très sophistiqué, euh, très élaboré. Et même des, des réseaux routiers, euh, souterrains, et même immergés. C'était impressionnant. Hein. Et, euh, et en même temps, euh, paradoxalement, on me disait. Et moi, curieux, je dis, mais c'est quoi ça là-bas Il dit, tu ne dois jamais y aller. Sous-entendu, sur la Lune, il n'y a pas qu'une seule espèce. Et il n'y a pas qu'une seule espèce euh, gentille, sympa. Hein il y en a qui sont euh, un, peu, un peu pas agressifs, mais en tout cas, euh, si tu te retrouves là-bas, euh, même en projection astrale, ils peuvent te capturer. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Il y a eu des cas euh, de gens qui maîtrisaient ça bien avec euh, endoctrinement, drogue et compagnie. Euh, le remote viewer, euh, viewing, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est la projection de conscience euh, qui a beaucoup été utilisée euh, pendant les guerres, etc. On utilise les médiums, on les dope, euh, on les dope euh, avec des drogues, etc. pour qu'ils aient des capacités euh, cognitives de projection euh, médiumnique, de conscience à distance. Mais dans certains cas, vous pouvez être pris. Je ne sais pas si vous concevez le truc. C'est assez hallucinant. Vous êtes tranquille dans votre fauteuil. Euh, et on vous dit d'aller, euh, je sais pas moi, sur une autre planète, sur, euh, sur Mars, par exemple, pour ne pas la nommer, ou sur Jupiter. Et euh, vous projetez parce que vous devez espionner euh, tel truc. Ça peut être tout simplement aussi euh, de l'autre côté du mur. Hein, C'était euh, en Russie, etc. Mais euh, en ce qui concerne les projections sur Mars ou même sur la Lune. Euh, S'ils vous détectent, parce qu'ils peuvent vous détecter en projection de conscience, ils peuvent vous couper de votre corps. Ils vous capturent, tout simplement. Et passé un certain délai, ben, votre corps il dépérit. Hein. C'est hallucinant, mais c'est vrai. Là j'ai appris la dure vérité. Là j'ai putain c'est chaud quand même. Voilà. Alors là actuellement il y a, ces... Alors, je, je connais pas les tenants. C'est un petit peu comme la géopolitique, il y a toujours des intérêts plutôt sournois et un petit peu particuliers. Euh, comme vous le savez, il y a une vague d'énergie qui s'est atténuée là un petit peu, mais qui va repartir, parce que les gens ne, ne supportent pas, pas trop euh, la contre-vague, j'allais dire, énergétique qui, se, qui recouvre le monde et qui neutralise, qui euh, court-circuite, entre guillemets, euh, euh, certaines nanoparticules qui sont dans votre corps, mais aussi bien dans l'oxygène, dans les strates. Euh, qui, du coup, euh, parce que je ne sais pas si vous imaginez, il y a des décennies de chemtrails, hein, là où bon, il y en a qui tombent beaucoup sur le sol, de particules, de toutes sortes. Il n'y a pas que des nanoparticules, il n'y a pas que des particules de transmission euh, d'ondes particulières, il y a aussi euh, des produits chimiques pour vous, pour vous endormir, pour vous rendre euh, passif comme des, des neuroleptiques des trucs comme ça un petit peu particuliers à petite dose mais un peu tous les jours c'est génial hein? ah ouais on est il y a quelqu'un qui disait c'est comme si on était des cafards et on nous vaporisait de temps en temps pour nous faire des rappels et là donc une autre onde d'énergie qui qui contrecarrait qui neutralisait une bonne partie de toutes ces particules et tout ça et du coup la propagation de l'onde qui nous assujettit qui nous conditionne qui nous qui nous, qui nous brise mentalement, qui nous mène à la dépression, qui nous empêche de dormir, qui nous empêche de, euh, de reprendre des forces, hein, parce qu'on ne se régénère pas bien. Euh, certains cycles, euh, certains individus, la nuit, sans qu'ils le sachent, ils s'en souviennent pas, et c'est très bien comme ça qu'ils s'en souviennent pas. Comme ça, la matrice n'est pas au courant. Et. Euh, ils il font des choses, ils projettent des choses dans une sorte de futur proche. Futur proche. Ils projettent, ils modifient des événements. Il y en a qui ont cette fonction-là. Ça s'appelle le, le futur tangentiel, le futur presque réalisé. Euh, c'est vrai que le temps, c'est très particulier. Mais normalement, euh, il y a de fortes probabilités on propose une direction elle se renforce, cette direction, et puis elle devient évidente. Hop, et ça y est, et là Et là, du coup, certaines personnes ne pouvaient plus y aller puisque leur sommeil était extrêmement perturbé. Il n'y avait pas ce petit moment, très bref, il n'y a pas besoin de beaucoup, où ils ne pouvaient pas se projeter. Euh, et du coup, on neutralise très bien comme ça. Alors, du coup, vous avez des gens qui sont mal, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils sentent qu'il y a quelque chose qu'ils devraient faire, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne savent pas quoi. Euh, complètement déphasés. Ils sont fatigués. Certains. Sont... Euh, déprime, certains tombent dans la maladie, etc. C'est un petit peu particulier. Alors du coup, il c'était costaud, ça a duré pratiquement une bonne partie de la semaine dernière, euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hein. Et euh, donc cette onde qui neutralise toutes les particules en suspension, même des produits chimiques, ça, ça ce que ça, ça excite les molécules. C'est pour ça que je vous dis, on a l'impression d'être dans un four micro-ondes, parce que ça, ça nettoie là-haut, mais ça nettoie aussi nos corps, quoi, hein. Et là, ça s'est fortement atténué. La réaction ne s'est pas fait attendre. Euh, ceux qui nous envoient tous au bordel, ben ben, ils ne sont pas contents. Du coup, ils recherchent la source de l'émission. Du coup, la guerre s'engage. Parce qu'une bonne partie de ces ondes, il y a un effet miroir ici. Il y a des, ce qu'on appelle des récepteurs ici qui sont sur Terre. Ils émettent un peu, mais c'est surtout des récepteurs. Euh, et sur la Lune, on a surtout des émetteurs et quelques récepteurs de faible intensité. C'est l'inverse. Donc, il y a un effet miroir où euh, l'onde entre guillemets s'entrechoque, c'est comme une onde, euh, une onde électromagnétique qui euh, qui perturbe l'exosphère, la, la, la stratosphère, une certaine couche, une certaine bande où entre guillemets notre conscience est connectée. Alors, je ne sais plus exactement laquelle. Et nous passons par ce type de conscience, et, et du coup, là, ça la perturbe fortement. Si on est brouillé, on est mal, on n'est pas bien, on est déphasé il y a des effets pervers, puisque du coup, il y a des gens qui sont euh, euh, suicidaires, euh, schizophrènes euh, c est, c est, ça accentue tout, euh, toutes les pathologies désynchronisées, et c'est facile hein, d'être désynchrone. Je l'ai vu, c'est très très facile. Euh, face à certains événements, euh, euh, la plupart des gens baissent les bras tout de suite, même pas ils essaient. Euh, on a tendance à se soumettre à l'autorité, une forme de soumission. Il y a des... Tous ces tests grandeur nature qu'on vit actuellement sont des tests de vérification. Ce soit aperçu quand même que, par exemple pour le test Covid, parce que c'est un test de soumission et d'obéissance, de voir jusqu'où, ils ont vu toutes les strates de l'obéissance, les obéissances contraintes, les obéissances spontanées, parce qu'ils y croient. Il y en a. Il y en a qui croient spontanément. Et il y en a beaucoup, il ne faut pas croire. Mais globalement, et tous ceux qui fraudent, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont fraudé, soi-disant, soi il y aurait eu euh, pratiquement 70 à 80% des gens qui se seraient fait vacciner plus ou moins à la fin. Donc 20% de réfractaires. En réalité... Euh, C'est plutôt moitié moitié hein, en réalité, euh, parce que les chiffres sont tronqués euh, à peu près. Hein. Et donc certains sont pas dupes, mais ils l'ont fait quand même en, es en essayant de prendre toutes sortes de produits pour ne pas etc. Enfin bon, pour pas essayer d'être de, pris dedans. Mais il y a eu des effets pervers euh, colossaux. C'était pas prévu, hein, mais ils s'en foutent un peu. Voilà. Donc du coup, euh, sur la partie cachée, il y a des conflits. Euh, vraiment, c'est chaud. Euh, Tous ceux qui, est, euh, alors j'en ai discuté avec deux trois personnes qui, euh, qui aiment bien observer la lune, on ne voit pas trop, mais ils voient comme des, euh, euh, comment on pourrait dire, des aurores boréales, euh, qui se retrouvent des fois, des flashs qui sont sur la lune. Si tu observes, parce qu'il y a certains, ils s'amusent à observer la lune 24/24. Euh, 24, dit mais le problème c'est que ce que tu vois n'est pas forcément le reflet de la réalité c'est ce que j'ai dit c'est souvent un hologramme qui nous est projeté il y a eu des c'est assez hallucinant il y a eu des démonstrations où on voyait vraiment que c'était une image qui nous était projetée en 3d et de temps en temps on voit la vraie lune de temps en temps parce qu'il n'y a pas d'ailleurs des fois ça c'est amusant on en voit deux c'est amusant on en voit deux comme ça au moins c'est réglé, ça dure pas hein. généralement, c'est vite corrigé. Et puis on se dit, ah, ben, ça doit être autre chose, etc. Voilà, donc là il y a un énorme, et du coup, euh, on voit que j'ai été très étonné. Les six, j'ai eu un échange avec eux. ils disent, en ce moment, euh, c'est comme si quelque part euh, il y a eu des accords, il a... si j'ai bien compris, des accords qui ont été, euh, j'allais dire, signés. Ils ont été. Des accords qui ont été pris entre plusieurs parties, parce qu'il n'y en a pas que deux, mais il y a deux groupes qui ne s'entendent pas vraiment, mais euh, des accords qui ont été pris pour... Euh pour lâcher un petit peu de la bride, etc., et pour laisser ceux qui veulent évoluer sortir, ou euh, ceux qui veulent évoluer, euh, évoluer pour ce qu'ils le souhaitent. Et qu'on ne continue pas la pression, parce que là, ils augmentent la pression. Donc certains disent non, puisque vous ne respectez pas les règles, nous non plus, et ça rentre en direct, en conflit euh, direct. Parce que la plupart de ces gens-là qui rentrent, donc, qui ont développé, euh, qui créent une contre-technologie, une contre-vague, on va l'appeler comme ça, euh, tous, ceux, tous ceux qui ont fait ça, en fait, ont des gens, ils ont des agents sur Terre, des observateurs qui ne sont pas tout à fait humains et des incarnés aussi. Donc il dit il faut arrêter, ça suffit. Là, parce qu'il y avait normalement une sorte de charte. Ils ont comme une constitution, comme vous avez vu, la constitution, ils s'en torchent le cul avec. En France, non, on a vu ça, ça n'a aucun rapport, mais c'est exactement le même état d'esprit. Hein. C'est. Ouais, mon bras, en fous, je m'en fous. Et puis c'est validé après coup de toute façon, puisque ce sont que des lèches-culs et des lâches. Hein. Voilà, on a vu... Euh... Lamentable, lamentable, lamentable. On a un niveau euh, aujourd'hui en France. Et puis euh, dans d'autres strates c'est pareil, hein. cherchez pas, il y a des lèches-culs, des opportunistes, des arrivistes, voilà, et des corrompus. Voilà. Et ce qui est, c est qu en bas est en haut. C'est le même reflet. C'est anorme, hein. c'est quand même quelque chose. Et là, du coup, on a des, vraie, de vrais conflits, la guerre ouverte, et ça crée des distensions, des, des... chocs quand même. Là, vraiment, c'est étonnant. Ceux qui observent et qui arrivent, de temps en temps, ils sont, ils sont surpris de voir des choses extraordinaires qui peuvent se passer sur la Lune, alors que... La plupart du temps, on a un hologramme qui nous est projeté, mais de temps à autre, ça lâche. Parce que ce n'est pas une technologie qui est fiable là, réellement. Et certaines personnes ont filmé, ils ont vu euh, un problème de, de, de projection, des fois dans certains cas. Ils voyaient que l'image n'était pas tout à fait la même. Hein? Il y a eu des cas où la Lune a été inversée ils se sont même trompés. Vous voyez? Euh, il y a eu des erreurs de ce genre. Alors souvent, dans ces cas-là, comme par hasard, il y a vite des nuages qui viennent les cacher etc. non c'est hallucinant ce que je dis je sais et pourtant certains euh, qui n'y croyaient pas du tout euh, ils se disent mais c'est bizarre quand même un coup c'est puis c'est pas rationnel euh, parce que certains ils font tous les calculs toutes les équations qu'on leur a fournies. ils disent là cette époque de l'année c'est à 30 km kilomètres de la terre on est dans le solstice machin là c'est au premier quartier machin ils font les calculs de vitesse machin ça doit être comme ça et ce n'est pas comme c'est censé être et etc etc. Donc il y a pas mal de conflits puisque sur cette lune il y a qui, a, qui est un, un astre artificiel, il hein, faut bien le dire, à euh, des bases souterraines, tout des, des trucs, ils le savent très bien, nos dirigeants, ils le savent. Et euh, la lune n'est pas ce que l'on croit hein, tout à fait. D'ailleurs le jour où on verra réellement de ses yeux les choses, c'est ça le problème, c'est que quelque part, on ne voit que des illusions. Lorsque vous, avez, vous êtes doté de certaines technologies, on peut vous induire une information, c'est que de l'information, et une image. Et lorsque vous voyez l'image et que vous avez l'information encodée en vous, vous créez votre propre illusion, votre propre rêve pratiquement. C'est vous qui le créez. C'est seulement des fois en comparant les observations entre... Plusieurs individus, des fois il faut en mettre une centaine de, par le monde, et qu'on voit que les observations ne sont pas identiques, puisqu'on le veuille ou non, il y a une reconstruction mentale de ce que l'on perçoit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous donne des outils de validation. Vous êtes un scientifique, vous avez tous les calculs, les paramètres, etc. Vous faites les calculs, et tout a l'air d'être parfaitement synchrone, et il euh, y a un déclic dans votre esprit qui vous dit c'est bon. J'ai vérifié, tout est vrai, donc c'est pour ça que tu dis des conneries. Et puis de temps à autre, il revérifie. C'est bizarre, j'ai dû faire une erreur, ça tombe pas juste, il y a une erreur. Et puis tac, comme par hasard, ah mais si, je me suis trompé, c'est bizarre. C'est les, 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 les solutions induites sont de plus en plus fortes. On a de beaucoup de plus en plus. Euh, on, est, on est ils sont obligés d'augmenter j'allais dire la fréquence. D'induction, de manipulation mentale, parce que euh, qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions, y compris des scientifiques, qui commencent à sortir des sentiers battus. Ils disent il y a quelque chose qui cloche et j'arrive pas à savoir ce que c'est. Parce que, selon tous les paramètres, parce que si on vous, on vous encode une façon de procéder, une procédure, et euh, un système qui s'appuie sur vos, vos observations et votre, votre intelligence, vous prêtez les deux. Il se crée une troisième, une sorte de, de construction mentale qui fait qu'il valide. Mais en réalité, intuitivement, les gens qui sont plus que calés se disent, et si, hein, ils sont, même avec les résultats probants, ils doutent. C'est étrange. Hein? Et oui, parce qu'ils sont connectés quand même. Alors du coup, ils sont un peu perplexes. Mais c'est vrai que quelque part, évidemment, toujours ces arguments qui prouvent que la lune est artificielle que la terre est bien plus grande qu'il n'y paraît beaucoup plus grande etc et euh, tout ça ce sont des arguments qu'on n'entendra jamais et qui seront toujours tournés en dérision mais il n'y aura jamais de preuves il y aura seulement les preuves les calculs les paramètres les les outils qu'on vous donne pour pouvoir démontrer votre thèse, votre observation. Là, vous voyez, c'est Là, je le calcule, le diamètre de la Terre, la masse de la Terre, sa vitesse autour du Soleil, euh, on a tout. Euh, tant de distance avec la Lune, voilà, Non, c'est bon, euh, tout correspond. Oui, oui, bien sûr, ça correspond selon tous les calculs et les paramètres qui, qui te semblent évidents. Pourtant, cela n'explique pas l'espace euh, multidimensionnel, parce que dans l'esprit scientifique, ça n'existe pas. Ou ils vont, ils vont parler de façon théorique. Euh, c'est pour ça que c'est très hasardeux, c'est intéressant. C'est pour ça que certains commencent à y inclure hum, la, la relation et l'interaction de l'observateur. On voit bien qu'en réalité, euh, nous sommes dans une forme d'hologramme, une illusion recréée, reconstruite, j'allais dire, par nous-mêmes et induite par, euh, par le consensus de nous tous. C'est une sorte de simulation qui, est, qui passe à travers nous. Nous sommes un des maillons de la chaîne important qui modélise et qui crée notre réalité euh, soi-disant réelle. Et en même temps, nous créons la réalité ultime, la celle de, j'allais dire, de la matrice originelle. C'est pour ça que c'est complètement dingue. Et on n'a pas conscience de ça parce que notre esprit est fermé. C'est comme si on avait des portes. C'est pour ça que moi, on m'a testé plusieurs fois et je n'arrivais pas à voir. Je n'arrivais pas à lâcher. Parce que pour moi, c'était inconcevable. Ce n'était pas possible. Il n'y a rien là. Là, il n'y a rien. Et si, si, il y a quelque chose, tu vas voir. Et puis non, là, c'est la mort. Et tous mes sens hurlaient. C'était terrible. Jusqu'au moment où, bon, on me coupe l'accès au, au retour. Oh, je dis, ah, putain, là, c'est panique à bord. Et, et du coup, ben, là, tu dis, regarde. Et là, tu devrais être mort, là, non Ah ouais, c'est bizarre. Et puis petit à petit, maintenant, on va te montrer comment ça fonctionne. On va t'initier, comment tu peux utiliser tes corps, comment intuitivement tu passes d'un endroit à un autre. Et là, tu te dis, putain, mais c'est incroyable. C'est comme si quelque part... On me dit, euh, moi je vis actuellement dans un petit village et on me dit ça c'est toute la terre, euh, voilà tu, voilà toutes les limites du monde c'est là euh, dans mon village, hein, tu vois, tu fais quelques kilomètres carrés euh, et euh, après un jour tu découvres merde mais il y a des grandes villes, oh, c'est fou ah merde il y a d'autres pays aussi oh, putain il y, y a un océan il est grand hein. et tu découvres quoi c'est ça qui est fou et, euh, et c'est exactement pareil et le pire c'est que comme on nous a biberonné je reprends ce terme bah, je me tiens en affection, Je suis dans les biberons. Et on a été biberonnés à l'information caduque, tronquée. Donc, c'est évident, quoi. La Terre est comme si elle fait tant de diamètres, tant de vitesse, il y a la Lune, machin, on ne remet jamais en question. Et quand quelqu'un remet en question, on le tourne en dérision et on n'est pas capable réellement de donner des preuves. Certains, mais si, on a plein d'images, tout ça. Et puis les démonstrations, on nous sort les, les formules mathématiques, tout ça, qui ne démontrent pas réellement quelque chose. C'est juste un mode de calcul. Juste pour exemple, certains individus euh, richissimes voulaient s'offrir, euh, j'en avais un petit peu parlé, et puis il y a eu d'autres cas, euh, certains individus richissimes, mais euh, un peu en dehors du système, petit à petit. Euh, Certains ont fait fortune en bourse, bon bref, et euh, ils, donc, ils, ils veulent se, euh, certains ils veulent se construire entre guillemets, euh, alors ceux qui sont français ils vont dans les Alpes, ils essaient de, de s'acheter euh, un terrain. Alors c'est très difficile d'acheter un truc, surtout que pour bon, certains, une qu -ce que tu veux en foutre, euh, si tu vas au neige éternels, rien que pour te faire approvisionner, euh, te faut un hélicoptère, Oui, oui, ouais, ouais, aucun problème. Et, euh, et donc certains mettent leur station d'écoute, euh, demandent des autorisations, c'est un vrai bordel. Puis à un moment donné, ils veulent mettre euh, euh, un télescope spécial dans lequel ils ont mis les meilleurs ingénieurs, etc. Et là, euh, en pleine fabrication, mystère, sabotage. Qu'est-ce qui s'est passé euh, euh, Focal particulier, fait miroir. Euh, Convergence de lumière, les prismes, etc., des, des télescopes de folie. Alors, ce n'est pas des radiotélescopes, là, c'était un télescope classique qui voulait faire en plusieurs parties. Ça existe, hein, on n'en parle pas trop. Il existe une partie qui se trouve sur Terre, une partie qui se trouve en orbite, ou on va dire en orbite, ou ouais, pratiquement, et un autre qu'on peut envoyer avec un avion qui fait le relais. Donc, ça envoie le signal à travers trois prismes et ça fait une sorte de. Une, une C'est comme si quelque part on avait un, un cône un con donde qui peut être d'onde lumineuse hein, et donc qui permet je ne connais pas trop le technique mais on m'avait et certains ils avaient mis au point ça pour essayer de voir parce qu'ils ne voulaient pas louer les heures d'écoute ou d'observation d'un télescope existant celui du Vatican euh, euh, je sais plus euh, et d'autres endroits etc et certains ils veulent louer ou le CETI ou je crois que nouveau Mexique je sais plus comment il s'appelle bref et euh, ils ne veulent pas le louer, ils voulaient en créer un eux-mêmes. Et euh, ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont jamais réussi. Il y a eu plusieurs tentatives, d'autres individus aussi, ont essayé de commander. Impossible. On ne peut pas, même si vous êtes multimilliardaire, vous ne pourrez pas avoir un truc. Parce que c'est considéré comme. Euh, ils vont vous dire, vous êtes espion, vous espionnez quoi Je dis, ben, espace. Euh, a priori, je ne regarde pas les à l'intérieur, je regarde à l'extérieur. A priori. Euh, et je ne vois pas où est le problème. Ah, mais il faut demander des autorisations, etc. Donc, c'est voilà. Et chaque fois, il y a ou du sabotage, et ou il n'y arrive jamais. Le projet n'arrive jamais à son terme. C'est étonnant. Simplement, le, le même fait. Chaque fois, je dis ça, mais je ne dis rien. Je dis pas, bah, c'est juste ça. Il n'y a, a pas besoin de creuser plus. Il y en a des choses à creuser. Sur l'Antarctique, c'est étonnant. Interdit de survol. Interdit. Mais il n'y a que de la glace. C'est froid, il y a des montagnes de glace, un mur de glace, c'est froid. Il peut y avoir moins 80, je sais. Des fois c'est plus doux vers le bord, mais quand même, euh, quel intérêt À part les explorateurs, le pôle sud, bon. Et, euh, et puis en fait, c'est interdit. Vous pouvez visiter, il faut demander des autorisations et vous aurez votre plan euh, par où vous pourrez passer, mais vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Pratiquement tous les pays euh, du monde sont représentés là-bas. Tous. Qu'est-ce qu'ils foutent, là Ah oui, mais c'est des expériences. C'est comme sur la Lune, ou dans l'espace. C'est des expériences qu'ils font. Et c'est interdit, ouais. C'est le territoire de certains. Et putain, mais ils doivent se geler. Hein. Ah ouais, tu parles. Certains, ils ont des installations de folie. Hein. Voilà, donc c'est interdit, et voilà. Et c'est interdit de survol, aussi, hein. comme par hasard. C'est pour ça que je dis, rien que ça, je dis, mais c'est fou, ça. Donc, on peut aller de partout, enfin, presque. Parce qu'on peut aller que seulement dans les endroits qui sont sur la carte. Il y a des endroits où ils n'y sont pas hein, et où ils apparaissent pas. Comme ça, d'un coup, s'ils si, si apparaissent pas, vous risquez pas de chercher hein, parce qu'ils n'existent pas pour vous. Donc il y a énormément de conflits. Actuellement, euh, ça agit très très sec. Euh, euh, ces entités ont neutralisé donc les six. Ils sont très puissants au niveau de. Euh, ils ne sont pas matérialisés, ils ne sont, ils sont pas des corps physiques, mais ils peuvent. Euh, euh, C'est comme un. Euh, ils m'ont expliqué le, le principe, c'est assez intra... Les, certaines dimensions ont besoin de la, de la dimension précédente pour pouvoir manifester, créer, agencer la matière, l'énergie, etc. Eux, il leur est facile tout simplement de couper le lien. Et, et du coup, eh ben, là, a... c'est comme si quelque part, euh, eh ben, c'est comme une panne vous avez une panne vous avez un super vaisseau spatial hein, équipé avec euh, je sais pas quoi euh, avec un générateur de lumière concentrée euh, je sais plus comment ça s'appelle c'est de la lumière cohérente c'est pas du laser c'est la lumière qui peut se développer qui, qui peut se compresser s'étirer et puis là d'un coup eux ils arrivent dans bon, ton générateur ben zéro il y a plus rien et, euh, les lois de la physique s'appliquent plus Ben non voilà, c'est réglé et euh, donc il y a eux ils neutralisent et euh, d'autres attaquent sur le plan réel. et C'est hallucinant ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui est euh, très très spectaculaire. Et du coup j'ai vu un petit peu, je dis mais c'est fou quoi. Je, je fais quoi là Je raconte ça, mais si tu veux, je dis, mais ils vont me prendre pour un taré quoi encore, une fois de plus. Et je vais dire mais c'est dingue ce qui prouve à quel point ils, disent, ils euh, désobéissent parce que normalement il y a eu des chartes qui maintenant ont été signées et il devrait y avoir ceux qui veulent évoluer on n'a pas à imposer une vision au monde on n'a pas à, à imposer euh, une façon de vivre à toute la population mondiale hein. même si on croit que c'est le monde occidental qui est visé pas seulement l'Asie euh, le Japon est complètement euh, le Vietnam que je connais un petit peu et... Euh, sous la coupe aussi de l'Occident, euh, la Thaïlande, tout ça. Tous, hein, tous, tous, tous. Et une euh, bonne partie de l'Asie. Euh, la Chine, même s'il y a des règlements différents, ils sont quand même euh, assujettis à des règles plus ou moins similaires, même si quelque part, ils veulent être autonomes et avoir le propre. Mais quelque part, on voit bien que, oui, l'Occident est beaucoup plus ciblé, puisque c'est là où, il fallait dire, l'ordre mondial est installé. Mais pas que, puisque vous avez des le système on va dire du mondialisme et dans des strates qui sont basés partout et euh, donc c'est pour ça qu'on voit très très nettement euh, une manipulation de masse et il avait été euh, expressément euh, j'allais dire signé une sorte de charte où il disait euh, que ceux qui parce que euh, c'était une évidence qu'il y avait un éveil de conscience depuis maintenant, pas seulement depuis 2012, ça avait commencé depuis les années 2000, même un peu avant, mais l'éclosion vraiment de la conscience a commencé après 2000, et puis après 2010, 2000, 2015, ça a explosé. Donc il y a eu une éclosion d'éveil de, de conscience de beaucoup de gens qui avaient envie de, de comprendre ce décalage entre ce qu'ils croient savoir et ce qu'ils sentent, ce qu'ils perçoivent. Euh, certains commencent à s'éveiller, commencent à se souvenir de ce qui se passe un petit peu dans l'astral. Certains euh, ressentent des choses, ils, ils voient des choses, ils sont terrorisés, ils sont comme coupés en deux hein, quelque part à l'intérieur. Et donc, il, disait, il faut arrêter maintenant de les briser. Ceux qui veulent évoluer, on ne doit pas empêcher l'évolution. Et eux. Euh, ceux qui nous dirigent, entre guillemets, ceux qui nous imposent les lois, veulent empêcher l'évolution. Ils ne veulent, veulent pas qu'on sorte de la matrice, mais en plus empêcher l'évolution. Parce qu'il y a, euh, pour certains d'entre nous, un projet euh, d'évolution très particulier. Il y avait un plan très particulier, que certains se sont incarnés dans ce but, euh, de, de vivre une certaine évolution particulière. Pas forcément l'ascension 5D. Euh, c'est autre chose, et euh, une évolution très particulière euh, de vivre cette expérience-là. Et là, on leur, on leur interdit de le faire. C'est pour ça que là, il y a. C'est ce qui est hallucinant, c'est que quelque part, ils en ont rien à foutre. C'est pour ça que quelque part, on en arrive à un à classe, parce que quelque part, ils disent non. Euh, ça fait très longtemps que maintenant, ils sont là, et donc, quelque part, nous sommes leur chose. C'est énorme, quand même. On leur appartient. Hein. C'est en gros. Euh, je, juste pour précision, même vos corps leur appartiennent. Voilà, c'est leur façon de penser. Vous êtes des sous-êtres, ce qui n'est pas le cas, et euh, vos corps leur appartiennent. Voilà, c'est réglé. Hein. C'est dingue. Hein. En gros, euh, tout, est, tout est à eux. Euh, J'ai c'est énorme. On a payé mille fois, cent mille fois le, le tribut et hein, la souffrance pour certains d'entre nous. Hein. C'est pour ça que je dis, quand j'entends, euh, je, je suis pas dégoûté, non, c'est pas le terme. Je suis navré, 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 j'insiste, de voir que certains sont encore bloqués dans le New Age ou dans la. Bien, bien pensance, la pensée unique, de les lois universelles, etc. Blablabla. Oui, oui, oui. Sauf que toutes les lois sont enfreintes ici. Toutes, sans exception. Vous euh, vous rendez compte, on vous maintient dans un processus de vie ici qui est, j'allais dire, clôturé, cadré. J'en sais quelque chose. Je suis censé être un, un voyageur. Et euh, ça y est, j'étais tout content, alors qu'en réalité, je ne sortais pas de mon bocal. quoi. J'étais dans mon bocal. Et je vous garantis que tous les, les gens célèbres que vous connaissez, qui font aussi dans l'astral, qui vont sur les autres planètes déphasées, où les civilisations sont très développées, etc., c'est de l'astral pur. Ce n'est que ça. Ils ne sortent pas du bocal. Je, je ne plaisante pas. Vous pouvez faire une introspection, une projection astrale infinie. Hein. Je l'ai fait. Je, je suis voyagé aux confins de l'univers. Hein. Ah. Sauf que je me suis rendu compte que je n'étais pas allé bien loin en fait. Mais il a fallu qu'on me mette le nez dans mon cacarin, hein. à un moment donné, je dis oh, Putain, mais c'est pas possible. Ce n'est pas comme ça. L'univers n'est pas comme ça du tout. Ah bon. Oui, s'il existe des déphasages, oui, d'autres entités, oui, d'autres individualités. Oui, le système solaire n'est pas comme on le croit. Oui. Le soleil non plus d'ailleurs. Et euh, oui, on nous a donné des schémas de pensée, on a des représentations euh, avec, euh, même si c'est maintenant le télescope spatial James Wed, euh, Webb, qui, wow, c'est super tout, mais finalement, c'est assez frustrant, c'est magnifique, mais c'est frustrant. Donc on arrive à voir l'immensité de l'univers. Comme si on pouvait voir la réalité ça sans, sans déconner Avec hein, un télescope, même un radiotélescope, on peut voir la réalité de l'infini le, de l'espace tu me prends pour un corps, quoi. Ah non, mais je suis scientifique, je t'explique par A plus B, la vitesse de la lumière, le machin, le truc, le machin, vu qu'elle est la contraction dans la matière, la densité. Non, ce que tu vois ne sera jamais la réalité. Tu ne vois que les émissions radio, oui, lointaines, proches, le déplacement ici, l'illusion que tu vois à travers le prisme de l'holomatrice. C'est ce que tu vois. C est, c est, c est, tu peux pas voir plus, quoi. C'est dingue, hein Je ne sais pas comment euh, le dire. Et euh, le problème, c'est que voilà les gens, ils t'expliquent l'univers, quoi. Je dis, mais tu en vois quoi? Tu, tu vois quoi? Cette, 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 cette lumière-là, c'est une galaxie. Ce que tu vois, c'était il y a un milliard d'années. Donc, ce que tu vois n'est pas la réalité, déjà. Quand tu peux faire des calculs. Oui, mais avant, avant quoi? Et, et ça, ah, ben là, c'est l'espace, machin, le truc. Ah, et là, tu vois quoi là ben Là, tu vois, c'est un amas de galaxies. Ouais, ça. On l'a nommé tant du, de, de, du nom de, de celui qui l'a découvert. et tout. On a mis des scanners qui peuvent scanner jusqu'à 10 milliards de fréquences par, par seconde. Je dis, waouh, c'est énorme. Je dis, mais euh, même les signaux euh, radioélectriques euh, émis par un euh, l'impulseur, ce que tu perçois, euh, c'est peut-être mort ou disparu depuis. Euh, je ne sais pas, moi, 10 millions d'années, tu ne peux pas voir en temps réel le réel. Même si tu voyais au-delà de l'holomatrice. Je ne sais pas. C'est une illusion matricielle. Tu ne peux pas voir, tout est faux. Ce ciel étoilé n'est pas réel. Même si tu voyais sans l'holomatrice. Bon, bref. Et en plus, tu ne vois qu'en 3D, quoi. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire hein, ces gens-là Le pire, c'est qu'ils sont là, oui, ils ont un argumentaire travaillé depuis 30 ans, ah, c'est costaud, hein. sauf que tu pars du postulat que c'est extrêmement limité, je suis désolé. Quoi. Et euh, ouais, ouais, c'est super, hein. ton argumentaire il arrache, hein. sauf que tu pars sur des bases, euh, sur un univers tridimensionnel, et comme si tu voyais la, le réel, mais tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas, et même les signaux que tu reçois. Ah ouais, ça a été envoyé à 75 ans. Ah, là, ça a été envoyé il y a un million d'années. Ah, 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 ah. Ça, tu reçois le pulsar du machin. Là, tu vois la supernova qui a été détruite il y a, il y a, il y a 100 000 ans, etc. Un soleil éclaté, etc. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si, quelque part, vous voyez, vous avez des télévisions pour certains d'entre vous. C'est pas mon cas. Hein. 8K. Donc, vous pouvez zoomer presque sur l'image. 8K... A du pixel hein. là tu peux y aller hein. tu as de la définition les appareils photo vous avez vu quand vous faites du x100 c'est quoi c'est de la pixelisation vous mettez du détail du détail dans le détail dans le détail donc tu peux zoomer 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 et, euh, et c'est exactement ça c'est comment c'est ce qu'on fait pour l'espace c'est ce qu'on fait euh, sauf que je ne fais que voir euh, à travers euh, les filtres de nos matrices et avec des émissions d'ondes, euh, j'allais dire euh, euh, je rappelle ça des ondes corpusculaires des ondes électromagnétiques qui perturbent notre nos perceptions qui nous font valider du réel alors qu'il ne l'est pas voilà. entre ça et ça et là on nous dit ah ben c'est ça le réel voilà l'espace voilà bon même si on sait très bien que comme dans Star Wars quand tu vas en vitesse lumière pff, ça fait pas les les traînées blanches non tu fais du surplace en vitesse lumière c'est pas si rapide dans l'espace c'est fou mais c'est comme ça ah ben ouais ça y est on est en vitesse lumière putain on se traîne qu'est-ce hein. que c'est quoi le problème ben ouais putain, je sais pas dans Star Wars on voyait les traîner ben, non pour faire ça il faudrait que tu ailles à un, million fois, à un milliard de fois ou un milliard de fois la vitesse de la lumière c'est du délire c'est complètement, ouais. complètement délirant quoi c'est et euh, c'est pour ça que c'est évidemment on nous met des stéréotypes euh, qui sont complètement faux alors évidemment les scientifiques sont là évidemment euh, s'imposant en faux, et vous verrez si vous le vivez euh, dans 20 ans, dans 40 ans, pour ceux qui sont jeunes, hein, moi je hein. et euh, ils verront qu'il y aura d'autres générations de scientifiques qui parleront différemment, ou pire, on ne sait pas, et qui mettront au rencard certains, alors que d'autres euh, qui étaient pris pour des fous, eh ben, du coup ils, disent, ah ben, ils disaient vrai, etc., etc. Parce que quelque part on est bridé au niveau je, je le sais, euh, je ne parle pas moi de connaissances scientifiques euh, globalement, mais de perception, de, de ressenti, de validation du réel. Euh, moi, je, quand euh, j'ai les six qui me venaient me voir et venir me chercher, je dis Non, il n'y a rien. »« Si, il y a quelque chose là. »« Non, il n'y a rien. » Et je ne voulais pas y aller, j'avais mes sens qui me hurlaient « Fais marche arrière, il y a danger de mort là. » Et c'est bizarre d'ailleurs. Comme il y avait, j'étais coupé en deux entre la curiosité et en même temps une sorte de peur irrationnelle qui me disait non. Et jusqu'au moment où du coup je dis mais merde, c'est là, je le voyais pas. Euh, c comment ça se fait quoi comment ça se fait Et du coup, on voit en, en multidimension, on commence à voir, je vois la Terre, comme elle est faite, je dis, merde, du coup, je, re je reconnecte avec mes, mes anciennes vies, mes, mes mémoires d'avant. Wow, 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 Ah ouais. Oh, le piège. Je comprends pourquoi ils ont voulu me libérer après. Parce que je fais partie de l'histoire de ce monde, etc., comme certains d'entre vous, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué la perception du réel parce qu'en réalité même là où j'en suis là dans le trou où je suis je ne vois pas tout le spectre du réel pas du tout pas du tout et pour ça quand j'ai dit moi oh, je suis médium je vois tout euh, non tu vois euh, certaines parties que ton champ de perception que ta psyché veut bien analyser veut bien voir veut bien entendre parce que il y a d'autres choses ne hein. faut pas oublier par exemple, les entités, il y en a toutes sortes, des entités qui coexistent avec nous, des entités décédées, des entités non décédées, et certaines ne se voient pas entre elles. Elles ne sont pas à la même fréquence. Hein Évidemment. Euh. pour ça que c'est. Et des fois, moi, je ne perçois pas, c'est seulement des fois quand je me sens agressé que d'un coup, je dis merde, il y a un problème, et là, je vois. Putain, des fois, ce n'est pas beau à voir. J'ai dis putain de merde. Alors, du coup, moi, je. Bon. J'utilise toujours la colère pour me dégager parce que c'est un bon outil de, de dégagement, la colère hein, bien maîtrisée, euh, un petit coup bien sec là, waouh, par contre euh, mais sérieux, hein, répulsif et tout, je dégage et je coupe les liens, je coupe, j'apprends à couper les liens moi aussi à couper les connexions. En certains croient le faire, mais ils le font que sur certains plans. Euh, certains parce qu'ils disent, eh, je coupe les liens, les parasitages, les implants, etc. Mais pour couper les liens, vraiment, ça demande un peu plus de temps que ça. C'est un peu plus compliqué parce qu'autrement, si on ne coupe que sur certains aspects, niveau éthérique et énergétique, et, et encore, éthérique, euh, eh ben, ça a tendance, le programme, l'encodage est toujours là, ça se reconstitue, ouais, ça a tendance à revenir, quoi. Voilà, donc c'est vrai que je ne vous fais pas le, le roman, parce que je ne voulais pas non plus vous, vous, vous prendre. En tout cas, je, je, je teste. En tout cas, là, ce soir, j'ai du débit. C'est super. Hein. Voilà. Là, je, en ce moment, ouah, je dis c'est ma période, je sais comme vous, là, je rampe comme c'est pas possible, entre le matériel. J'ai testé, c'est amusant, mon village. Je, ça, c'est l'apartheid entre nous. Euh, tout le monde est câblé. Euh, non. Euh, la fibre optique, euh, tout le monde. Non, non. Moi, je suis pas câblé. Si, si, vous êtes câblé. Euh, je le saurais si j'étais câblé. Chaque fois que je demande, ils me disent « vous allez être bientôt câblé. Mais c'est bizarre. C'est rigolo. Hein, c'est rigolo. J'ai l'impression. Et c'est bizarre. Hein, regarde, tout est câblé, sauf moi. Alors, je pense qu'il y en a peut-être d'autres dans les collines là-bas, mais Alors, je dis amusant c'est amusant non, alors du coup euh, je suis souvent j'ai du mal parce que la 4G c'est vite fait à déconnecter l'émetteur parce qu'il y en a il y en a qu'un ici à 4 km d'ici donc il suffit de le mettre en panne au moment où moi je lance live là il y a eu un petit souci puis hop ça s'est rétabli au dernier moment pff, pff. voilà donc c'est vrai que c'est assez amusant et euh, voilà c'est chiant les problèmes de ce genre-là alors pour ceux qui ont eu des, des problèmes vous savez, euh, je passe mon temps des fois à réparer. J'étais content. Depuis quelque temps, j'étais un petit peu tranquille. Et là, super, j'ai le, le super truc. Vous savez qu'il y a eu une petite tempête. Enfin, pas qu'une, il y en a eu un peu partout. Des inondations et des trucs. Et j'ai euh, le toit de la maison de mes parents qui s'est fait arracher sur un côté. Je dis c'est top. C'est l'inondation à l'intérieur. C'est génial. Qu'est-ce que c'est cool la vie On s'amuse bien quand même. Hein. Pas le temps de se reposer. Hein voilà, donc c'est vrai que ça, c'est l'actualité. Je sais que beaucoup ont des soucis de, de toutes sortes. Mais là, je ne sais pas comment je vais faire. Et en plus, il n'y a pas d'entrepreneur. Il y a personne. Oh, dans six mois. Dans six mois, hein, d'accord. Bref. Bon, c'est pas grave. C'est juste chiant. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez amusant ce monde comme tout est fait. Pour vous plaquer au sol. Plus vous dérangez, plus on va vous accabler. Et depuis quelques années, vous voyez que tous les êtres un petit peu sensibles, voire les hypersensibles, qui, euh, qui, qui souffrent un petit peu et qui commençaient un petit peu à voir la lumière, j'allais dire comme ça, ben comme par hasard, on vous empile problème sur problème, déprime sur déprime, décompensation, maladie, oh, malaise. Fait chier, lassitude, fatigue chronique, hein. problème de sommeil, problème d'énergie, problème de motivation, plus envie de ci, plus envie de ça. C'est chouette, hein c'est pas logique, non Vous trouvez pas Et en plus, vous avez des gens là-haut de notre gouvernement qui va vous dire comment vivre et qui vous précise, sans vous le dire, vos corps nous appartiennent. Hein On fera, si vous faites pas ce que je vous dis, allez faire la guerre, par exemple, ou. Vous faire picouzé, vous, vous êtes obligé, on va s'acharner sur vous. Voire même, vous serez considéré comme des criminels. Ah ouais, c'est évident. Mmh. Mais bon, hein. c'est hallucinant. Et tout ce système est conçu pour euh, contrôler évidemment les populations, mais aussi pour empêcher de s'expandre, de se développer hein, la conscience. Ils ont des instructions et qu'importe la forme et c'est hallucinant je dis mais est-ce qu'il y a un pays qui où ça sera plus tranquille il y a des décalages et ça vient un peu partout quand même ouais il y a certains pays d'Afrique qui respectent pas mais c'est pas tellement pas tellement cool alors il y a les certains pays de j'allais dire d'Amérique du Sud ou centrale qui sont encore un petit peu tranquilles mais c'est limite quand même on peut passer entre les gouttes mais petit à petit ça devient chaud partout. Mais il est clair que les pays occidentaux sont... Et l'Europe. Top. Et nous, on a un champion du monde en France. On, est, on a un premier de la classe qui obéit. Il fait tout le contraire de ce qu'il faut. En fait, il fait exactement ce qui est prévu. Hein. Non, ce n'est pas de l'incompétence, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il suit le plan. Hein. Et, et donc, voilà, il y a de l'accablement, du contrôle, du démantèlement, de la destruction manifeste, voulu. C'est affolant. Hein. Et le pire, c'est que ça se couche derrière. Vous avez vu un peu député sénateur. Oh, blablabla, je suis pas content, je suis pas content. Et puis, pff, ça passe comme une lettre à la poste. À tous les étages, tous les strates. C'est affolant, affolant, affolant. Ça devient... Euh, pff, et pour rien, il ne faut pas compter sur eux, hein, c'est clair. Hein. Y compris sur les gens. Bah, parfois, c'est un bien pénard. Hein. Bref, je vais essayer de voir si euh, si, euh, si je vois un petit peu des questionnements. Oh, je Nathalie Samira-Coucou, John, John Rockefeller. Bah, écoute, John, hein John Rockefeller, c'est une famille de riches, ça. Bref de très riches même, ça fait partie des douze familles. Alors, euh, ah oui, à l'occasion, je vous parlerai des rayonnements actuellement. Euh, euh, des rayonnements où on est normalement on est bombardé de fréquences lumineuses un petit peu particulières, filtrées et un petit peu atténuées, parce qu'on n'a pas une lumière directe de lumière naturelle. Et là, il y a un 13 euh, euh, rayon très particulier qui nous percute. Euh, je dis percuté. Qui, est, euh, qui devrait nous donner un petit peu plus de, de connexion, on va dire ça. Et là, ils font tout pour, pour le brouiller, parce que ça passe à travers les matrices, ça passe à travers la matière, ces, ces rayonnements. On ne peut pas arrêter euh, un rayonnement particulier. Il n'est pas forcément visible, d'ailleurs, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu un en fond un arc-en-ciel, parce que l'arc-en-ciel, c'est 12 effets lumineux. Certains disent non, il n'y en a que 7, Michel. Non, il, y en a 12. il y en a 12 Et il y en a d'autres euh, qui sont complètement dans les ondes radio, les ultraviolets, les, les invisibles, hein, il y en a d'autres. Mais le, dans le champ du visible, il y en a douze. Il y en a 12 parce qu'il y a les interstices, les entre deux, sept hein, et cinq qui sont entre. Il y en a douze. 12. 12 rayonnements du prisme de la lumière de notre monde. Et il y en a un treizième actuellement. Et ça fait un rayonnement qui devrait nous euh, euh, pénétrer notre conscience, on va dire, de cette façon-là. Michel, il y a 30 ans, quand j'étais à Montréal, à côté de largentière Privat... ah mais ben je connais très bien hein, l'Argentière, j'ai failli acheter un appartement, hein, une, la maison là-bas, l'Argentière. Mes amis ont des choix. Utiliser la grue collective du village pour les restaurations communautaires des toits du de village. Ah, c'est beau ça, c'est beau. Euh, ici, euh... il ouais. y a eu une époque, euh, ici. mais là je suis un peu tout seul. Là. Mais bon, en plus, pff, on me sent plus de faire ces travaux. J'ai fait ça jeune, il y en a marre. j'en ai ras-le-bol. Ça me gave. Oui, oui, oui. Ouais. Je me doute euh, que parfois il y a des, de l'entraide, mais euh, vu que il y, y a eu des, des petits soucis. Hein. Nous en Ardèche, il y a des soucis avec les sources. Il y a, il y a des gens qui te coupent les tuyaux. C'est la routine. Quoi. Euh, certains ils te, ils te volent ton terrain, tu es même pas au courant. Le mec, il a, il a carrément mis une route à la place sans demander à la DDE. Enfin, c'est plus la DDE aujourd'hui. Non, mais bon, c'est l'Ardèche C'est particulier. Voilà. Euh... Alors, Cipriano. Michel, connais-tu la ville technologique des fréquences Phoenix Dragon Reborn Je vais commencer demain le programme MK Ultra pour faire le bien dans la psyché, tout l'inverse du déjà connu. Ouais, c'est bizarre. Je sens des, des informations. Oui, c'est contradictoire, j'en sais rien. C'est un peu particulier. Non, je vois pas trop là. Et je me méfie de. de de, de scénarios, etc. Bon, à l'occasion, pourquoi pas, en parler un peu plus. Salut, Alex. Comment Michel, comment réussir à accepter de vivre une vie par défaut Lâche-toi la, la grappe. Et, et euh, honnêtement, euh, Alex, tu crois que je vis la vie que j'aurais rêvée jeune Tous mes fantasmes, tous mes rêves. Ce qui est terrible, c'est de lâcher ses illusions. C'est si, lorsque tu lâches le contrôle que tu... Je veux dire tu t'en fous, quoi. Et euh, c'est là où tu te sens le plus libre. Lorsque tu n'es pas dépendant de tes propres désirs, en fait. Et moi j'en ai lâché un paquet. Hein. Ah, maintenant, je vis tranquille. Des fois, j'ai des petites envies. Là, on ne cache pas, j'aime rien. Bon, bref, que la maison là-haut soit à l'abri. Il faudrait que les enfants... Enfin bref, nous, nous, mes, mes soeurs on s'entendent correctement pour pouvoir... Mais bon, personne n'est d'accord sur rien, donc c'est même pas la peine. Et euh, donc je vais m'en occuper, je sais pas comment. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Donc à un moment donné, il s'agit pas de s'en foutre. Pour s'en foutre, c'est quelque part. Que tu le veuilles ou non, euh, c'est pas ici la vraie vie. Je sais pas comment on peut le dire ça. Tu vis ta vie, tu fais comme tu veux, tu te prends pas la tête. Tu tu as envie d'essayer de faire des trucs ça passe ça passe pas tu insistes tu insistes tu insistes tu insistes ça passe pas bon euh, fais ta vie c'est tout et ça marche pas comme tu veux c'est pas grave le problème c'est quand tu es arquebouté sur une vision il hein, faut pas faut pas et euh, il faut lâcher le truc parce que de toute façon personne ne vit la vie qu'il avait prévu ou qu'il aurait rêvé euh, et à un moment donné on lâche ses illusions parce que c'est horrible autrement c'est la souffrance perpétuelle d'autant qu'en plus tu t'en tu es pas encore aperçu visiblement quand on réalise parfois ses rêves c'est pas du tout comme prévu pour certains j'ai pu le constater c'est ça ouais, mais non ouais ouais mais non ouais, c'est bizarre c'est très contrarié voilà. donc c'est pour ça que quelque part euh, il faudrait que tu apprennes à pas la tête de il faut j'aimerais je souhaiterais ces désirs ce sont des freins c'est ça le paradoxe parce que réellement nos propres désirs ne reflètent pas la réalité ce sont des désirs de l'ego et euh, tout ce qui concerne les désirs de l'ego ça peut être rassasié temporairement je dis pas que c'est pas vrai mais c'est un trou sans fond il y a toujours un prix à payer et il est considérable parfois Parfois, certains, pendant 15-20 ans, ça roule à peu près. C'est pas parfait, mais ça marche. Et ça... Et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, il y, a... y a un grain de sable. Tous, tous déglingue. Tout ce que tu croyais être vrai est plus bon. Plus rien ne marche comme prévu. C'est du délire. Tu t'es dit, qu'est-ce qui s'est passé J'ai changé de monde. Tout ce que je fais n'est pas bon. Pour un artiste, pour un truc, c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut se lâcher la grappe et vivre. Euh, sa vie parce que c'est pas la vraie vie ici il faut apprendre à se développer sa conscience à et qu'importe si quelque part tu n'as tu as réussi ou pas ici réussi selon les concepts humains C'est pas évident hein, je sais mais parce qu'on a toujours des illusions surtout quand on est jeune et tant qu'on n'a pas lâché ces illusions on ne peut pas ouvrir c'est comme si quelque part tu t'empêchais de voir, ce que, qui t'a crevé toujours les yeux, comme moi, hein, quand j'étais dans, dans les terres, euh, je ne pouvais pas voir, ça ne, je ne voyais pas. Et c'était là. Je ne le vois pas, mais c'est là. Mais quand même, je suis dans un corps astral, lâcher mes perceptions. Mais je ne le voyais pas, parce que quelque part, les programmes sont en la vie dure. C'est du costaud. Et, et en plus, il y a la peur qui va avec. Hein. Donc, on ne se lâche jamais vraiment. Y compris dans la vraie vie. On ne se lâche jamais vraiment, on va jamais vraiment jusqu'au bout. Parce que quelque part, il y a la peur de, de se lâcher. Ah ben non, c'est dangereux, parce que non, j'y vais pas, parce que euh, non, ça ne va pas réussir, ici, si, je n'ai plus rien après. Il y a toujours des. Il y a toujours. On n'en sort pas. Et finalement, ben, les années passent et on, fait... on est complètement bloqué. Alors que si on lâche, d'un coup, tu vois d'autres opportunités auxquelles tu n'aurais même pas vu ni même compris. Il dit, mais ah bon, je suis bon là-dedans, je peux faire ça. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que j'aime. Et pourtant, j'aime bien. Ah, c'est bizarre. Mais bon, tant que le problème, c'est que tu, tu mets les œillères, que tu es concentré sur ça, et que tu échoues, tu échoues, tu échoues. Parce que en fait, oui, mais c'est dans ce domaine-là. Oui, mais peut-être que tu peux légèrement le décaler. Mais oh, le problème, c'est que quand on croit que tout le réel est là, eh ben, t'es foutu, quoi. Le problème, il est là. Donc, il faut arriver à lâcher les œillères pour te dire, autorise-toi à penser plus large. Même les choses auxquelles tu ne voudrais pas penser. Même mieux, au, à des parties de toi qui, qui ne voudraient pas y aller. Surtout pas. Voilà. Parce que c'est pas bien, tu as plein de programmation, etc. Non, mais c'est fou, hein, parce que c'est vrai que c'est costaud. Hein. On va voir. Athéa, ah, pourquoi je ne le sens je ne le sens plus concerné par cette existence. Je n'ai qu'une envie, c'est toujours de partir. J'étouffe d'être ici. Tu es. C'est une évidence. Tu n'es euh, pas toi-même. Tu as à un moment donné euh, renoncé un petit peu, et puis un peu plus, à toi-même. À tes désirs, euh, des vrais désirs, j'entends, des vraies pulsions. de, je sais, Parce qu'on a tous des, des aptitudes. Moi, j'ai des trucs que je sais faire, hein, j'ai abandonné complètement. Et je le regrette aussi aujourd'hui. J'ai je dis, non, j'ai plus, plus envie de m'y remettre. Pourtant, je vois que quand je m'y remets, je, je m'éclate. Hein, des fois, je, je, je sens que j'adore ça. quoi. Alors, parfois, la, la forme permet d'exprimer sa conscience. C'est pas le but, c'est pas la finalité d'être meilleur dans un domaine, mais parfois être soi-même permet tout simplement d'ouvrir la conscience, la perception, euh, la sensibilité, euh, le champ des fréquences, euh, le, champ, le spectre de, des multidimensions, etc. Et euh, c'est pour ça que quelque part, lorsqu'on a quelque part fermé les vannes, petit à petit, de « j'ai pas le droit de ci, j'ai pas le droit de ça, ben là c'est pas bien, là j'ai pas le temps, là j'ai pas l'argent, là j'ai, non j'ai pas, le... je peux pas, non. non mais je suis nul, là. » Quand on a fermé petit à petit, on a mis des années à fermer, enfin, c'est bon, il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien, mais on est mort à l'intérieur. Voilà, c'est le problème. Alors du coup, on... ouais, là, oh mon fou, alors, ça ne m'intéresse pas, non là je ne ressens rien, tout est fermé. Tout est fermé. Ça s'est fait petit à petit, ou parfois parce qu'il y avait une certaine époque de la souffrance, et puis on a fermé les vannes, on a fermé les coutils. Les robinets se ferment les uns après les autres, et puis on, tu fermes le, les tuyaux, l'arrivée d'eau de la vie, j'allais dire. Bah, à un moment donné, euh, qu'est-ce que je fous là quoi bah ouais. Parce qu'il faut arriver à être soi-même quand même. Euh, tu n'y arriveras jamais à 100%, mais au moins aller sur le chemin de je veux être moi-même. Et le problème, c'est que quand on est allé loin dans les fermetures de, de tous les robinets, on a tout fermé, toutes les vannes, hein. est, on est desséché à l'intérieur, hein. c'est le désert de Gobi. Je ne plaisante pas, il hein. y a certains, c'est le désert. Certains, je disais, je voyais le désert, je dis « ben voilà, ça c'est moi, je disais ça à l'époque, parce que j'avais renoncé à trop de choses. À la fin, je disais, merde, je dis, bon, allez, j'essaie quand même. Parce que moi, j'étais destiné à autre chose. Et, mais bon, quelque part, et puis j'ai dit, mais j'arrive à un compromis acceptable. Mais je me dis que de toute façon, cette vie, elle est éphémère, elle passe très très vite. Moi, je me dis, attends, ah ouais, bientôt 59. Ah ouais, ok. Merde, je me vois encore adolescent, moi. Bon, bref, ça passe vite, hein. ça passe très vite. Certains, je sais, ils m'expliquent ça, ils ont 80 balais. et oui, ça passe vite. Et puis après, on se dit, merde, la, le, la fin du jeu, et c'est pour bientôt, quoi. Et certains, il y a un petit peu la peur, quoi, l'ego, il tremble. Et alors qu'en fait, au contraire, ça doit être vécu comme une fête, une libération, et de préparer ce passage, le préparer, sa conscience. C'est ça. C'est. Je l'ai entendu une ou deux fois, pas plus dans ma vie. Le meilleur, j'allais dire, il y a plusieurs choses d'importantes, voire de capitales dans une vie. C'est ouvrir sa conscience, s'éveiller, ouvrir sa conscience, et se préparer au passage. En dire qu'en gros, durant toute ta vie, tu devrais apprendre à appréhender de façon cool. Et consciente, le passage est de te rendre compte que tu zappes des choses au cours du passage dans l'astral pour aller dans le passage des décédés, etc., des morts, qui, qui n'est pas forcément mauvais, pas toujours bien d'ailleurs, hein, mais pas toujours mauvais non plus, mais qui n'est pas euh, la sortie. C'est un piège à c'est hein, un piège à abeilles, où je dis bzzz, bzz, et tu te fais piéger, et hop, tu reviens, et tu reviens. Alors qu'en réalité, si on est beaucoup plus conscient, on s'aperçoit oh mais, mais, mais c'est pas obligé que j'aille par là, c'est pas une nécessité, je, je suis ouvert, du coup, je, mon champ de perception, ah, il y a là, il y a là, et les autres à côté de toi, ils disent Mais non, il n'y a rien, il n'y a que là, il y, y a le tunnel, regarde, il y a l'entité, oh, je me sens merveilleusement bien, etc. <laughs> tous, les, tous les clichés habituels qui sont réels, hein, ressentis, attention, hein. une induction mentale, c'est puissant, hein. Mais, euh, mais une fois qu'on est un petit peu ouvert tu te dis mais attends il y a une autre issue là c'est bizarre c'est différent j'ai envie d'expérimenter ça quoi. Je... mais le problème c'est que quelque part on part avec euh, euh, en étant j'allais dire idiot on nous a pas enseigné la mort hein. le passage euh, à part euh, les écritures, les anciennes écritures il y a toutes sortes de choses hein, les gardiens de ci, les gardiens de ça, le passage machin. certains ont été initiés sont passés là, sont devenus des maîtres etc. ouais 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 si ça t'intéresse, ok, mais moi, c'est pas mon chemin du tout. Il y a énormément de strates, des choses. Mais euh, globalement, euh, pour certains d'entre nous, c'est pas le chemin. C est, il est temps de sortir. Si vous êtes là, à m'écouter, c'est que quelque part, il y a... Oh merde, c'est lui le guide. C'est lui qui va me montrer de comment ne pas pour aller. Et même si on n'est pas absolument identique dans les schémas de pensée, de lumière, d'énergie, euh, qu'on n'est pas forcément des mêmes origines, c'est assez cousin. C'est-à-dire qu'en gros, ben non non, c'est, euh, j'ai déjà vu. Ce matin, euh, c'était flagrant quoi. J'ai, euh, c'était assez comique quelque part. Moi, je suis assez simple, très ordinaire dans ma vie et euh, et donc j'étais. Euh, en train de me déplacer, je suis revenu par un petit peu l'astral, il y a beaucoup de gens qui m'ont reconnu, je ne savais pas que j'étais si connu que ça, et euh, je dis parce que bon, il y a pas je suis pas un million de vues hein. et euh, je dis ah ouais, super ouais, je ne sais pas comment tu fais et tout c'est assez amusant, je suis sûr qu'en plus ces, ces gens ne se souviennent pas vraiment de ce qu'ils ont vécu avec moi on a discuté, on a ils m'ont offert à boire, c'est rigolo. Et euh, donc j'ai un petit peu bu avec eux, c'était assez sympa. Et puis après, il y en a qui disparaissaient, parce que vous savez que des fois, quand vous vous réveillez, ben, vous disparaissez de, du champ de l'astral. Et c'est assez, euh, assez intéressant. Donc il y a eu un petit passage comme ça, qui était assez bref, mais assez bien. C'est assez rigolo. Alors euh, voilà, j'étouffe d'être ici, je n'y arrive plus. C'est pas que tu n'y arrives plus, c'est que quelque part tu as renoncé à vivre. Je comprends pourquoi, évidemment. Beaucoup de gens comprennent très bien qu'on peut s'éviter de souffrir, euh, euh, s'éviter d'avoir des désillusions. Euh, euh, le fait de ne pas avoir d'argent, le fait de ne pas avoir un bon travail, le fait de ne pas avoir, euh, bon bref, euh, une bonne vie, une famille, c'est pas top. C'est la routine, c'est merdique, c'est c'est fade, c'est sans couleur ni odeur, pas de goût. Mais oui, enfermé toutes les vannes. Donc, quelque part, c'est passé un certain nombre d'années et tu te dis, waouh, merde, c'est ça la vie, ça fait chier quoi. Je pas envie de me suicider, mais bon, quelque part, c'est pas intéressant. Puis même, à la limite, c'est vrai que c'est terrible dans ce cas-là parce qu'on peut être câblé vers la souffrance, mais pas le plaisir. Même quand il y en a, on ne le ressent pas vraiment. Euh c'est compliqué hein. c'est compliqué la conscience hein. mais malheureusement classique malheureusement pour éviter parfois de souffrir ou de vivre certains événements on préfère couper et ça se fait hein, petit à petit tu prends un coup dur deux coups durs trois coups durs ouais, ah merde tu fermes tout alors c'est c'est une conscience sont des mécanismes de défense hein. et puis à un moment donné tu bah, t'as plus de désir du coup c'est bon ouais. ah bah moi je sors plus je fais plus rien je fais deux bricoles, mais même quand je sors, je n'ai pas, j's... même pas envie. C'est chaud. Hein. Non, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est exactement ça. Allez, on va essayer de voir si. Ange perdu. Hum. Non, tu n'es pas perdu. C'est notre histoire. La trilogie de Bernard Weber qui veut passer par un certain point de réincarnation, on peut passer ange gardien et gérer vie, trois vies. Vous en pensez quoi En théorie, non. Euh, les anges gardiens sont des anges gardiens. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est leur mission. Mais il arrive parfois que des membres de la famille, pendant un temps limité dans le temps, euh, un membre de la famille guide quand même, demande à, à gérer. Hein, parce qu'il le peut et qu'il a l'autorisation. Ça arrive qu'il puisse le faire. Alors le problème c'est que bon, ce n'est pas évident. Quoi. Ça arrive. Mais normalement, non. Les anges gardiens sont des entités très spécifiques qui ont cette fonction-là. Ils ont des aptitudes très particulières. Mais comme je le dis, il y a des exceptions où parfois il y a... Euh, ça peut être un père, un frère, une mère qui parfois pendant quelques années, parfois quelques mois, parfois quelques mois, euh, nous guident, nous réorientent parce qu'ils il, euh, en éprouvent le besoin, ils en ont la capacité, ils ont demandé l'autorisation, et ok, ça arrive. Voilà, toxie, un, un peu particulier. Euh, mais normalement, non. Les anges gardiens sont des êtres particuliers qui peuvent prendre apparence humaine, mais euh, pas obligés. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir Ah, Xavier. Je te vois depuis 2016. Ouais, 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 bah, je crois même que je ne participe pas au chat. Je ne sais pas si je fais de l'astral. Sûrement, tu ne peux pas y échapper. Je ne me souviens pas, mais je vois ces événements actuels depuis plus de dix ans. Hum. Hum. Ce que tu décris, Xavier, c'est une perception extrasensorielle euh, non raffinée. Je le dis à ma façon, hein. désolé. Euh, tu l'as vu en fait, tu l'as ressenti, tu l'as encodé, tu l'as compris, et euh, c'est une autre partie de toi qui a ramené l'information et tu dis intuitivement, je, tu crois, tu crois que c'est par déduction que tu as deviné, alors qu'en réalité, tu es connecté à, à ton soi et t'envoie les informations de façon plus subtil, c'est pas aussi net qu'une voix dans la tête, hein, mais quelque part c'est ça. Tu es quelqu'un d'intuitif parce que tu écoutes tu écoutes cette partie de toi. Hein, en fait, c'est le premier. Tu es, euh, comme j'en ai parlé souvent, c'est comme on va le dire comme ça, ce sont des mots, il hein, faut pas le prendre au premier degré. Certains le disent de la même façon que moi d'ailleurs. Euh, il y a le mental classique. Qui est très embourbé dans l'ego, dans le désir, dans la frustration, dans la colère, etc. Il y a le surmental qui est beaucoup plus lié à, au soi. Là, on est vraiment on est extérieur, ce n'est est, est pas ici, ce n'est pas localisé ici. Euh, et il y a le supramental il y a encore d'autres strates comme l'hypramental et d'autres visions beaucoup plus globales. Et, euh, mais déjà, tu es. Au stade du surmental, intuitif, on pourrait te qualifier, même si je n'aime pas ce terme, parce que c'est trop générique, ça ne veut absolument rien dire, personne n'est pareil, d'une forme de médium sensible. Tu pourrais très facilement euh, travailler cette, cette intuition, cette inspiration, cette connexion. Tu pourrais l'amplifier. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et, euh, je l'ai autorisé à, à parler à travers moi. Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme ça, c'est ce que je fais. Hein. Voilà, Voilà. donc euh, voilà. C'est tout un principe qu'il faut bien comprendre. Le temps il file. Je vais prendre la dernière. Non, ah, j'ai déjà vu cela. Voilà, ok. Ah ben là, j'ai déjà vu. Tu as bien vu, oui, souffrance sur souffrance. Voilà. Malade, trauma, depuis le début. Pourtant, je, je le sens bien que quelque chose en moi ne cherche qu'à se manifester on est comme deux dans ce corps c'est euh, voilà de façon simple euh, on se protège comme on peut et c'est plus facile de mettre un mur hein, euh, et dire je vais pas souffrir le problème c'est que tu vis pas Alors, du coup tu souffres quand même mais c'est pas la même souffrance c'est une souffrance beaucoup plus atténuée mais qui a même j'appelle ça le bruit de fond hein, j'appelle ça le bruit de fond on vit avec certaines souffrances tous les jours, frustration, euh, solitude, tristesse, colère pour certains, des fois tout en même temps. Et du coup, euh, on s'habitue à vivre ça, donc on crée des protections autour, pour essayer de rendre acceptable la vie. C'est chaud quand même hein, de dire comme ça. Du coup, bon, on s'habitue. Voilà. C'est un bruit de fond. Quoi. Mais en réalité, tu vois, si tu avais euh, le niveau euh, bien-être 10 et euh, le mal-être 0, par exemple, on ne va pas passer dans le négatif, disons 0. Ben, tu es toujours à 5. Tu vois, es toujours à es 5 tu as réussi à te maintenir euh, à peu près en équilibre. Mais par moment, tu as le petit coup de, derrière l'oreille. Tu as des petites montées parce que tu es à fleur de peau. Hein, tu es écorché vive. Et du coup, boum, vite, vite, vite. Oh, non, non, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Et hop, là, ça monte d'un coup, ça peut aller à 10. Et puis, oh, ça redescend vite au bout d'un moment. Mais c'est dur. C'est très, très dur. Parce qu'en réalité, tu, tu, on ne va pas prendre les termes habituels, j'aime pas utiliser les termes que tu mais on va le dire pour que tu comprennes, tu somatises beaucoup de stress et de programmation, euh, tu as accumulé beaucoup de, de programmes de la famille, du clan au sens large, y compris des décédés, et du coup tu vis, euh, tu vis les traumas d'autres personnes, tu portes les fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Tout simplement. Le jour où tu réaliseras que tu peux poser un bon paquet de ces fardeaux qui ne t'appartiennent pas, dans lequel tu n'en as rien à foutre, ce pas ton problème. Mais après, si tu souhaites, j'allais dire, être celui ou celle, parce que c'est plutôt, je pense, celle euh, qui porte les fardeaux, bah, bah écoute, voilà, c'est compliqué. À un moment donné, dire ça suffit, quoi. Voilà, ça, ça ne m'appartient pas, ça c'est faux en plus, ça c'est distordu, là c'est irrationnel. Mais le problème, c'est que jamais tu n'as essayé d'aller voir parce que c'est douloureux d'aller voir. C'est Même dans certains cas, quand tu es affaibli, physiquement et mentalement, quand tu vas voir, tu te dis, je ne vais pas tenir le coup, je n'y arriverai pas. Alors que des fois, il suffirait d'aller voir pour dévoiler le champ de, le champ de conscience. C'est comme un projecteur, je dis souvent, c'est lui qui, qui crée le chemin. Notre chemin, notre, notre trajectoire. C'est le champ de conscience qui projette. Le... Je, je dis souvent d'une façon euh, simpliste, nous sommes le chemin même. Nous créons notre propre chemin. Il n'est pas prédestiné. Il y a des routes dans lesquelles on va aller parce que nous avons des ancrages et des programmes inconscients qui ont été clang, 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 tamponnés. Alors du coup, quoi qu'on fasse, on ira. Mais parce que c'est inconscient. Mais si on développe sa conscience, petit à petit, tu le vois venir, tu te dis ah, ça, 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 ça. Attends, moi. Je, je vais le franchir, mais ça sera moins costaud que la dernière fois. Ça s'appelle des mémoires récurrentes qui se répètent, toutes les X années. J'appelle ça des anniversaires. On les en a tous. Et chaque fois, c'est putain, je suis maudit. Alors que ce sont des, des anniversaires qui se répètent en boucle. Donc, euh, y compris la souffrance, etc. Tant que tu seras euh, dans une forme d'acceptation, il ne s'agit pas d'être forcément dans la colère, mais tant que tu seras dans une forme d'acceptation, euh, ben, tu subiras, tu prendras les chocs. Et c'est comme si tu étais euh, soumise, une sou, proche, je crois que tu es une femme, je pense. Voilà, en fait, Je ne sais rien, je ne sais pas pourquoi. Et euh, a priori, peut-être le titre, là, le nom. Et euh, donc quelque part... Euh, il n'y a pas à accepter, il n'y a pas à se victimiser, il n'y a pas à se culpabiliser, il n'y a pas oh, aidez-moi, je suis une victime, je suis une... Non, non. Ni tu prends ton destin en main, ton regard, ta conscience, il euh, ça suffit là. Ça suffit. C'est bon. Ça se fait pas en deux jours. Petit à petit, bon tribuche, on boite, on n'arrive pas à avancer, petit à petit on lâche. On lâche des poids, on lâche des morceaux qui ne nous appartiennent pas. On n'a pas à s'accrocher. Je sais à quel point c'est compliqué. Je l'ai vu dans les rêves, les gens qui reproduisent dans leurs rêves, parce que les rêves, on peut les voyager, les rêves communs, on appelle ça les rêves collectifs. Je vois des gens, c'est entre, entre astral et, et inconscient. Il y a des réminiscences de la vie. Et certains, euh, ben, ils continuent à bosser la nuit. Dis, Putain, c'est épuisant, quoi. C'est induit, hein. on, on vous a forcé, à, on vous donne des, des structures, des, des scénarios à reproduire et vous les reproduisez par rapport à ce que vous connaissez. Du coup, on, on a l'impression d'être des esclaves. Mais en fait, ce n'est pas le désir qu'on a. C'est quelque part, on est observateur des esclaves, comme si le corps et le mental ne nous obéissaient pas. On est des observateurs. Euh, euh, Embarquer dans un véhicule et euh, t'as pas les commandes. C est, c est, c est... Donc il faut apprendre à sortir de ce piège une fois de temps en temps, comprendre comment ça se fait. Moi ça m'arrive hein, et puis à un moment donné j'ai Oh, oh qu'est-ce que je fais là, là Allez, dégage. Parce que Vigilance 24-24 ça n'existe pas, etc. Voilà, ben, ça a vite passé ce soir et déjà le temps passe vite. Je vais, à... on va couper pour l'instant, je sais pas si un petit peu vous avez pris. Euh, C'était quand même une soirée vibratoire un peu particulière. Sur le, paradoxalement, c'est sur une, une énergie vibratoire de guérison euh, très particulière. De, j'entends le pardon euh, sur une, une vibration de, de pardon et une vibration euh, de guérison. C'est un peu particulier ce soir. Je le sens bien et c'est très, c'est un petit peu apaisant. C'est agréable. Donc voilà. Ça passe à travers moi, je le laisse passer. Hein. Voilà. Et bref, pour ce soir, on va y aller, on va tranquille. Hein. Voilà. Je vais vous remercier d'être toujours présent, à hein, me regarder. Et euh, je vais remercier ceux qui me soutiennent, hein, pour ceux qui le peuvent, parce que je sens que c'est dur. S'il y a la peur au ventre pour beaucoup, là, je sens bien. C ça devient difficile pour certains. Et euh, en tout cas, merci beaucoup. Euh, Malgré tout, parce que, moi je dis, les gens qui donnent sont extraordinaires. C'est pour ça que je vous vois, hein, même si des fois je ne vous réponds pas. Je vous vois, je trouve ça extraordinaire, les gens qui donnent, parce que c'est plus... très dur. Il y a beaucoup, très peu de gens qui savent donner, y compris du service, ils ne savent pas. Parce que c'est très dur, c'est pas dans leur... Ils ne savent pas. Voilà, ils savent pas. Euh... Voilà, J'ai plein de petits trucs du Nord là-dessus, c'était assez amusant. Bref, euh, en tout cas, on va se donner rendez-vous euh, euh, ben, samedi. Samedi, déjà. Putain, ça, ça passe tellement vite. On se donne rendez-vous samedi prochain, donc sur l'autre chaîne. Le lien est en dessous, normalement, en principe. Voilà, sur l'autre chaîne, c'est la chaîne principale. Et euh, on se donne rendez-vous sur cette chaîne à 20h30 samedi. Et euh, donc, voilà. Donc finalement, j'ai fait autant, presque autant de temps que sur l'autre chaîne, mais un peu moins, un peu moins quand même. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Portez-vous bien. Essayez toujours de replacer entre guillemets ce qui est important au premier plan et non pas d'être piégé dans des boucles mentales infernales. Essayez chaque fois de casser la boucle, de dire repositionnez-vous. Qui... Il faut parfois se brutaliser, qu'est-ce que je fais Ça suffit quoi de tourner en rond, de rester dans l'obscurité, dans ma souffrance, de tourner en rond. Oui, je peux reconnaître que parfois la lassitude et la fatigue mais que les merdes, j'abandonne, j'ai rien à foutre, et je crève, j'en fous. C'est euh, mais tout le monde a vécu euh, ces moments de d'épuisement. C'est parce qu'on résiste et que quelque part on est coupé en deux, ça c'est le cas de le dire. Et c'est pas évident alors que des fois, il faut dire, je lâche le truc. C'est pas important. Donc, je dois me consacrer sur ce qui est important, mon ouverture d'esprit. Et euh, un des passages importants, c'est le fameux passage de, la, de vie à trépas, comme on dit. C'est mortel hein, d'en dire ça, les mots que j'emploie volontairement. Parce qu'en réalité, ça peut être la libération, là. Mm. Allez, je vous embrasse tous bien fort. On se donne rendez-vous samedi 20h30 sur l'autre chaîne. Portez-vous bien et euh, lâchez-vous la grappe. Je sais que c'est dur en ce moment, ça c'est clair. Moi c'est pareil. Hein. Mais à un moment donné, il faut bien lâcher, autrement. Hein. On se suicide tout, toutes les deux heures, autrement. Je plaisante, je plaisante, hein. faites pas. Hein. Allez, gros bisous à tous, bye bye, ciao ciao.